said, oh, it's coming this way. Yes, it's coming this way. Seventh Thunder Revival. Oh, it's coming this way. Just keep on believing. Just trust and obey. The Seventh Thunder Revival is coming this way. Oh, Heavenly Father, we praise you, Lord. Merci, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Oh, blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Thank you, Lord. Oh, praise God. God be praised. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Hallelujah. Amen. Glory. Gloire. You may be seated a moment. Vous pouvez vous asseoir un moment. Well, we thank God. Happy, bien, nous remercions Dieu. Combien sont heureux ce matin d'être venus dans la maison du Seigneur. Wonderful. Merveilleux. Praise God. Happy to be here. Content d'être Amen. Ici. Thank you for Je your vous remercie prayers. Pour vos prières. Happy to be back among Je suis content d'être de retour parmi vous. Vous pouvez vous asseoir. And I had to be here today. Je devais être ici aujourd'hui. Je dois terminer Amen. Ma course. Are we happy you're here with us here? And so anyway. And our friend here, notre ami ici, un des Hébreux ici, frère Amen. Sébastien. Dieu te bénisse, frère Sébastien. Amen. So we're happy to have him here. Nous sommes heureux de l'avoir ici, frère Sébastien, et frère Charles, c'est l'Église. Amen. That was in Virginia. That's qui était en Virginie, et c'est tout. So praise God. Donc, gloire à Dieu. So we're happy for them. See, two heureux. Voyez, deux qui se tiennent seuls. No, it's three now. Maintenant, ils sont trois. Ils ont une sœur Henriette. But I believe that the, brother Chow and his wife frère Chow, to Troy, New je York, crois qu'ils vont déménager à Troy, New York. Il a été accepté pour une position là-bas, je pense. So anyway, we're happy for Donc, nous sommes heureux pour les visiteurs qui sont venus avoir communion avec nous. Combien apprécient les chants ce matin? In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Well, praise God. Amen. Wonderful. Merveilleux. So, see there, singing group. Vous voyez le groupe des chanteurs. Well, you might as well remain standing. Il faut aussi bien de rester debout. Well, anyway, vous êtes debout. Get straight Allons to the word directement of God. À la parole de Dieu. Praise God, and you pray for me. Priez I'll pour be moi to que je puisse faire ce que le Seigneur désire que je fasse ce matin. Amen. In this hour, en cette heure. And how many have Combien read ont lu les deux livres de la parole parlée? J'espère que vous l'avez fait, parce que c'est sur ça que je vais prêcher. Vous les aviez lu dimanche passé, vous auriez dû avoir déjà lu 15 livres, jour et nuit, prosterné au plancher, jeûnant toute la journée, lisant la Bible, étendu, lisant les livres de la parole parlée. Bell ring, phone ring, le téléphone sonne, la cloche sonne, vous ne pouvez même pas l'entendre. La parole de Dieu pénètre dans votre âme. Well, whether you did or whether you que vous l'ayez fait ou pas, it's going forth anyway. Elle va sortir Amen. De toute façon. Praise God. But just that you might know que vous puissiez that savoir speaking, de quoi je parle, frère Joseph Branham et la voix de Dieu, le Saint-Esprit m'a donné cette inspiration en avril, puis le 27 mai, le livre est sorti, Combattre pour la foi. Quel sentiment de savoir que vous êtes en plein dedans. Oh, hallelujah. La jonction du temps. Oh, church, this is oh, Église, c'est la jonction, la dernière jonction du temps. So that's my inspiration c'est mon inspiration pour ici, Panaris. We're gonna nail Nous allons enfncer. Praise God. Gloire à Dieu. I invite your attention to Jude. Je vous attire attention à Jude and, Ephesians 4 et Ephésiens 4 and Revelation, et Apocalypse 22. Now, Jude. Maintenant, Jude. This book was written, ce livre a été écrit environ 33 ans, 66 Amen. Après Jésus-Christ. The book of Jude. Le livre de Jude. And, I love this book. J'aime ce livre. Comme c'est étrange, en 1974, le Saint-Esprit m'a donné l'inspiration au verset 22, 23, 22, de certains y aient pitié.
faisons la différence. Vous savez, le Seigneur ne m'a pas laissé prêcher là-dessus, le verset 1 à 19, pendant 18 ans. Puis il m'a dit, en avril, maintenant, parle. Amen. Prêche là-dessus. J'ai dû sortir pendant 18 ans, faire une différence entre ces gars-là qui sont ici et ceux dans le message qui ont leurs vêtements souillés par la chair. Arrache-les. Et certains aient pitié. Donc ces gars-là ici, ils ont fait leur chose. Et nous allons maintenant faire la nôtre, notre chose. Et nous verrons si notre chose et leur chose s'alignent. Alors vous verrez alors qui dit la vérité. Vous voyez? Jude 3. Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Une chose très difficile. Ce mot « combattre », ça veut dire des combats, ainsi de suite. C'est difficile. Frère Branham a fait face à la même chose. J'ai étudié ceci pendant environ 2 mois. Comment il a contourné cela. Il contournait les méthodistes, les baptistes. Tout le monde à la foi. Il ne voulait pas combattre avec eux. Mais c'était difficile. Il devait réprimander de toute façon parce qu'il combattait pour la foi. C'était très dur pour vous de prêcher la foi sans entrechoquer d'autres personnes qui ne croient pas cela. Quand vous apportez cela, vous êtes le mauvais garçon parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la foi. Plus à Dieu que tout le monde dans le message comprenne la foi. Alors, il n'y aurait pas de, combat, pas de lutte, pas de malentendu, nous serions tous frères. Pas de combat. So I didn't cause any contention. J'ai pas amené de contention dans le message. Non, frère Branham dit le manque de révélation. C'est pour ça que vous avez des divisions. Non, parce que les enseignants manquent la révélation de Jésus-Christ, mais les tonnières de toutes ces choses, ceux qui le prêchent, alors vont avoir des combats. Ils vont vous maudire et tout le reste, mais vous devez traverser cela. Pendant 18 ans. Et l'heure viendra où la voix de Dieu imprime les deux livres, l'inspiration va descendre et Dieu va le confirmer. Parce qu'ils ont eu 18 ans pour faire leur chose, pour semer leurs semences. Merveilleux. Maintenant, peut-être que nous pouvons commencer vraiment à combattre ouvertement, sans rien qui nous retienne. Parce que tout le monde devrait connaître le message. Amen. Donc je ne combats personne ce matin. Je veux que vous soyez tous les bienvenus. Je ne suis pas contre personne. Je vous aime tous. Mais peut-être ce matin que vous allez comprendre ce que j'ai fait pendant 18 ans. C'était très dur de faire cela. Et d'autres doivent le faire également. Amen. Oui. Vous devriez combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ça veut dire une fois pour toutes. Vous ne pouvez pas le changer. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ephésiens 4. And so we have here. Everybody feeling fine. Tout le monde se sent bien. Wonderful. Merveilleux. Verse 4. Verset 4. Ephésiens 4. There's one body and one spirit. Even as you call. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Quelle est votre vocation? L'adoption. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don. Vous savez, Christ est monté, il est descendu, il a fait des dons aux hommes. Chacun a quelque chose. Amen. And so we shouldn't be arguing. Nous ne devrions pas faire d'histoire. You know, with Dan and Ephraim, comme Dan, Ephraim, je veux du blé ou de l'avoine, ainsi de suite. Ces dons
sont en vous avant même d'être sauvés. Donc c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Alors que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Quelle foi? La foi. Et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'un homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pourquoi? Ainsi, nous ne serons plus à partir d'aujourd'hui. Nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens. Oui, ils lancent des dés truqués. Ils lancent des dés. Amen. Ils peuvent prendre le message et le retourner et le dire, « Oh, je vois cela !» Ils vous tiennent. Vous voyez? Le discernement, prends les dés. Retourne-le, laisse-moi voir ce que tu as là. Chaque parole que le prophète a dit, laisse-moi voir. Il est aussi écrit dans leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais en professant, allons, en professant la vérité dans l'amour, pas l'amour dans la vérité, hallelujah, mais la vérité dans l'amour de certains est pitié. Quand vous devez réprimander, vous ne faites qu'essayer d'enlever la chair qui est sur le vêtement. Mais la pensée, l'esprit doit s'ouvrir pour comprendre ce que vous faites. Ils pensent que vous êtes méchant et dur, ne sachant pas que vous essayez de les amener dans l'enlèvement. Amen. Professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Que tu ajoutes bénédiction à la lecture de sa parole. Père Céleste, pour mon tête, Dieu Tout-Puissant, nous avons lu ta parole ce matin. Et Seigneur, que ceci soit un jour mémorable. Nous avons ressenti que tu as guéri les malades, chassé les démons, fait des choses merveilleuses à Londres et partout ailleurs. Hallelujah. Hallelujah. Now, Father, may your anointing drop down now. Maintenant, puisse ton onction descendre maintenant. To preach the message. Prêcher le message. The preaching anointing, la prédication. May it come now. L'onction de la prédication, qu'elle vienne maintenant sur ton serviteur, qu'elle vienne sur les champs. Amen. Ouvre leur entendement sur ce que je vais dire. Révèle la révélation de Jésus-Christ aux gens. Confirme le message. Déverse le Saint-Esprit. Et Seigneur, guéris mon corps fatigué, épuisé, et fortifie-le. Et Père, nous prendrons soin de donner toute la louange, l'honneur et la gloire. Nous prions et demandons la bénédiction. Dans le nom de Jésus, je pense que j'ai oublié quelque chose. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Que Dieu bénisse avec toi sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, souvenez-vous, le Saint-Esprit vient. Amen. Il va vous bénir. Pas ce que vous dites, dans quel groupe vous êtes ou quelle église, mais selon vos œuvres. Donc, tous les groupes des églises disparaissent. C'est l'individu avec l'œuvre. Comme le foin, la paille, le chaume, ça va brûler. Mais l'or, les pierres précieuses, aucune autre fondation qu'un homme ne peut poser que celle qui a été posée, Christ. Et le prophète a posé la fondation. Attention à comment vous bâtissez dessus. Amen. Donc, vous pouvez vous Pouvez-vous asseoir. Donc, nous y sommes ce matin. Hallelujah. Nous sommes très heureux d'être ici. Ça dure depuis des années. À New York, ici, Frère Hunt et moi, nous sommes sortis. Frère Branham nous a ordonné d'envoyer ensemble. Nous avons eu des signes, des prodiges depuis des années. Amen, Frère Hunt, toutes les choses qui sont produites. Est-ce que Sir Winpole est ici? La parole a guéri, placé ce disque dans son dos. Combien? Vous oubliez ces choses? Vous vous souvenez d'Audrey Dupuis en 1974? Handicapé.
Praise God. How many remember Audrey Dupree? Combien se souviennent d'Audrey Dupree en 1974? Quand nous l'avons baptisé, elle était dans un fauteuil roulant. Sœur Alma Gomez lui avait témoigné, l'avait amené ici. Sœur André est sortie de la piscine. Et nous demandions tous, en regardant, elle a commencé à marcher. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Les signes, les prodiges, les miracles. Quand? Il y a longtemps. Gloire à Dieu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Vous pouvez vous asseoir. Des morts ressuscités en 69. Des morts ressuscités, frère Perez qui était ici juste là. Amen. Lève-toi, frère. Le voilà. 1971. Amen. Qu'est-ce que vous faites? 63, 74, combattre pour la foi. Combattant. Vous pouvez vous asseoir. Qui vous a dit de faire cela? Le prophète a dit. Le prophète m'a dit de le faire. Le prophète, pendant 11 ans, de 63 à 74, combattant. Personne ne le comprenait. Jacob Grace, Joseph, perfection. Qu'est-ce que vous faites? Combattant. Ils ne comprennent toujours pas. Puis en 1974, avant de sortir, fais une différence parce que tu vas faire face à des brutes naturelles. Laisse-les tranquilles. Sors de ceux dont le vêtement est souillé par la chair. Dis-leur que certains aient pitié. Dis-leur au sujet du pardon, l'affection fraternelle. Dis-leur que les sept tonnerres sont sous ce septième sceau. Ils vont le croire. Laisse les autres tranquilles, laisse-les faire ce qu'ils ont à faire. Tu n'as rien à voir avec eux. Mais aujourd'hui, tout ce qui s'est produit en 74, 83, hallelujah, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Donc, les signes des prodiges des miracles, c'est depuis 1963. Comme frère Hunt, il m'appelait dans le message avec cet affreux mot-là pour que ce gars-là prie pour les cancers. Il a oublié ça. Mais ce que je fais aujourd'hui, nous voulons mettre cela en ordre. Nous ne voulons pas simplement que ça arrive ici, là, là, là et là. Nous voulons que ceci soit à partir d'aujourd'hui, tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Bien, parce que à partir de maintenant, à moins de le faire, nous ne sommes pas dans le message. Nous ne sommes pas dans la foi. Parce qu'une jonction du temps est ici. Et quand l'omnipotence parle, le miraculeux se produit. Vous pouvez vous asseoir. Donc, soit que le Dieu omnipotent, le Fils de l'homme, parlait à travers le prophète, ou il ne l'a pas fait. Et s'il l'a fait, alors le Dieu qui a écrit cette parole, que ce Dieu-là s'avance et qu'il prouve cette parole. Je sais que c'est dur. Les gens, au jour de la Pentecôte, sont levés 3000 d'entre eux. Je ne sais pas si quelqu'un leur a dit de s'asseoir ou pas, mais ils ne peuvent pas s'empêcher. L'onction le faisait se lever. Vous savez, et Corneille était debout et les autres, c'est l'onction, vous voyez. Les gens ne font pas cela, mais l'onction. Vous savez, vous pouvez asseoir, cette onction a fait que le boiteux. Hallelujah, l'onction. N'est-ce pas? L'onction va faire que les morts vont revenir. Mort, froid, raide dans la tombe. Vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas les gens, mais c'est l'onction. Ils ont une révélation. Oh, hallelujah. Yes, sir. Oui, monsieur. Donc, je vais comme le mettre en ordre. En l'ordre de l'Église, 1958, frère Branham parle ici, il a pris 5 messages pour essayer de mettre en ordre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons le Branham Tabernacle.
Première chose, le pasteur est toujours pleinement, frère Neville, toujours en charge. Il veut dire quand il revient, il n'écoute pas ce que tout le monde dit. Il va vers frère Neville et lui demande qu'est-ce qui est arrivé. Vous voyez, il n'écoute pas toutes les rumeurs, tout ce qui vole partout. Non, non. Puis ensuite, il va voir les diacres, ainsi de suite. Il est complètement en charge, ainsi de suite. Maintenant, voici à quoi je veux en venir. Nous croyons dans l'Église apostolique, enseignant les bénédictions apostoliques pour les gens de ce jour. Nous croyons dans le plein évangile. Nous croyons que tous les signes, les prodiges dont a parlé notre Seigneur Jésus-Christ doivent accompagner son Église jusqu'à son retour. Amen. Nous croyons dans ces choses. Nous croyons qu'elles doivent être mises en ordre. Que l'Église a son ordre. Chaque Église a sa doctrine et son ordre, sa discipline. Donc voilà, c'est notre ordre dans cette Église. Puisse le Saint-Esprit le mettre en ordre, confirmer la parole à partir de maintenant jusqu'à la résurrection des signes, des prodiges et miracles. Qu'est-ce que c'est? Les faux oints? Non. La foi. Comment dire comment faire la différence? Lequel demeure avec la parole? Les faux joints ne croient pas les sept tonnerres sous les sept sceaux. Sous le septième sceau, ne croient même pas que le septième sceau est ouvert. Mais nous le croyons. Et nous avons les signes qui accompagnent également. Amen. Vous êtes prêts? Avec toute cette fondation, je ne sais pas où je vais. Mais venez avec moi à la maison de mon Père. Il y a la paix, la joie, la joie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. That old cadence shout. Glory. Des bons cris. Maybe seated. Vous pouvez vous asseoir. So Brother Norman, frère Norman, comme titre. Earnestly contending for the faith. Combattre ardemment pour la foi. Restauré par Malachi 4. No, not that was once delivered. Pas qui a été transmise une fois pour toutes. Frère Branham l'a restauré à nouveau. Amen. Amen. Oh, hallelujah, praise God. Did you get it? L'avez-vous saisi? Earnestly contending combattant for the faith, ardemment pour la foi, restauré à nouveau par Malachi 4. My subject is, what is mon sujet, the qu'est-ce que la foi? Now, you were here Wednesday, vous étiez ici mercredi, les groupes, ainsi de suite. Vous avez entendu when le message, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce correct? And Lord cut me le off Seigneur there, m'a interrompu là, then, et I didn't finish. Je n'ai pas terminé. And this is the finish of that message. Voici la fin donc de ce message. C'est pour ça que je l'ai passé so mercredi. Afin que vous n'essayiez pas de prier, veuve. So when the Son of Man quand le Fils de l'homme viendra, not when he's revealed, pas quand il est révélé, through Saint Luke 17:30, à travers Saint Luc 17:30, mais quand il vient. You know, the vous savez, la dynamique. Same Son of Man. Le même Fils de l'homme. Correct. Correct. Correcto. Correcto. What do you mean? Well, que voulez-vous dire? Le Fils de l'homme vient sur un chemin poussiéreux vers midi, n'est-ce pas, vers Abraham. Abraham s'est levé. Il y en avait trois. Il a dit, Seigneur, pas trois dieux, un Dieu. Et là, le Fils de l'homme a parlé, a donné la promesse. Sarah a ri dans la tente. L'incrédulité. Amen. Pourquoi Sarah? Nous connaissons toute l'histoire. Nous répétons pour vous donner une toile de fond. Il a parlé à Sarah. Il lui a dit, au temps marqué, j'apparaîtrai au temps de la vie. Amen. Nous avons regardé sur le premier saut, pas de vue, pas de vie. Deuxième saut, troisième, quatrième, la tribulation. La cinquième, c'est les Juifs sur l'autel, pas de vie. Je ne veux pas le sixième sceau, pas du tout. Le jugement. Où est la vie? Le septième sceau. Sept tonnerres. C'est la vie. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce pourrait-il que le temps de la vie, sous le septième sceau, que nous attendons tous, gloire à Dieu. Maybe seated. Vous pouvez vous asseoir. Here's Sarah. Oh, Brother Ram Barron. Oui, Sarah. Oh, frère Ram Barron. Dieu te bénisse. Amen. Content de te voir. From Guyana. Amen. De la Guyane. So praise God. Yes, sir. But then he told Sarah, il a dit à Sarah, at the time, au temps marqué, I will visit you next 28 je te visiterai dans les prochains 28 jours. Cycle moves around. Quand ton cycle
Mais le cycle ne pouvait pas agir sans la puissance de résurrection. Elle était une femme âgée. Et pas plus vous, vous ne pouvez pas bouger, vieille femme. Vous avez besoin de puissance. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi vous riez dans la tente? Allons, Dieu a dit qu'il va te remplir. Dieu, il va dire qu'il va te guérir. Il va amener ta famille, vieille femme. Il va faire de toi une jeune épouse. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, ils se sont levés pour celle-là. Amen. Gloire. Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce qui est arrivé? Pas le Fils de l'homme dans la chair. C'est... Il doit venir. Il est déjà apparu avec la promesse. Il est apparu. Ça dépend si vous croyez la promesse. La puissance de la résurrection est venue. Abraham et Sarah sont allés se coucher ce soir-là. Vieux, fini. Et quelque part durant la nuit, la puissance de la résurrection est venue sur eux. Alléluia. Je ne sais pas quand c'est arrivé au milieu de la nuit. Je ne sais pas. J'étais pas là. Tout ce que je sais, c'est que Sarah a regardé. Abraham, mon Dieu, mais t'es beau. Abraham a dit, Sarah, tu es jolie. Alléluia. Et la première chose, vous savez, ils ont eu Isaac. Alléluia. Gloire à Dieu. Avançons. You may be seated, praise vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Brother Coleman, a two-mic preacher. Amen. Un prédicateur à deux micros. So what's your point, preacher? Donc, quel est ton but, quel est ton point, prédicateur? Le point, c'est que le Fils de l'homme est venu lui-même dans la chair pour donner la promesse. Le Fils de l'homme est venu dans sa propre peau, la peau de Jésus, au milieu de la Bible, pour donner la promesse. Et les disciples ont cru la promesse. Et le même Fils de l'homme, le même, la même vie, les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles sont venus au temps de la fin dans le prophète Malachie 4. Je retournerai à toi. Sarah, au temps fixé. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que ça pourrait être le temps fixé, Sarah? Oh, hallelujah. Pas le Fils de l'homme à nouveau dans la chair. Le Fils de l'homme sous forme de la dynamique. Voyez, votre promesse, n'abandonnez pas. Ceci n'est pas le temps d'abandonner. Ceci est le temps de tenir bon. Oh, come on, praise allons, God, gloire à Dieu. Amen. You may be seated, vous pouvez vous asseoir, God. Gloire à Dieu. Je n'ai pas encore, même pas encore terminé la première page. Je ne sais pas d'où Abraham et Sarah sont venus. Vous comprenez maintenant, vous ne recherchez, vous attendez pas à voir un homme dans la chair. Le Fils de l'homme est venu trois fois. Genèse 18, dans la peau humaine, mangeant du veau, du pain, peu importe, rendant possible, pas Jésus, la peau de Jésus dans le milieu de la Bible, la peau d'Apocalypse 10, des fèves, pinto, des haricots, des tartes aux cerises. Est-ce que c'est arrivé? A-t-il restauré la foi? Alors, combattons pour cette foi. Les mêmes signes, prodiges et miracles que l'épouse primitive, combattez pour cette foi, n'abandonnez pas. Mettez cette chose en ordre dans votre église. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Le voyez-vous, Église? Ça ne sert à rien pour moi de d'aller plus loin si vous ne voyez pas cela. Si vous ne voyez pas votre promesse qui revient sous forme de la dynamique, comme il est venu à Abraham et Sarah, comme il est venu dans la chambre haute, comme il est promis, il doit venir aujourd'hui. À quoi ça sert votre mécanique sans la dynamique? Voilà la foi. La mécanique de Malachie 4 avec la dynamique, c'est la foi. Restauré par Malachie 4. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, qui prêche le message? Trouvez. Qui prêche le message? Amen. So he told the bride,
Il a dit à l'épouse, dans cette prophétie à travers les âges, de combattre ardemment, sérieusement, convaincu profondément, déterminé à combattre, lutter, débattre, argumenter de. Donc c'est difficile de prêcher comme ça parce qu'ils disent que vous êtes méchant. Mais vous devez faire cela. C'est dur pendant 18 ans. Frère Branham a dû le faire. Pour ces trois pulls, c'était difficile. Toutes ces dénominations, les pentecôtistes qui sont là. Mais pourquoi toutes ces histoires, taper sur les femmes et buster les dénominations, les prédicateurs? Qu'est-ce qu'il faisait? Il combattait. Pour ramener les gens à la foi. Pourquoi a-t-il été maudit? Pourquoi êtes-vous maudit si vous faites ceci? N'y a-t-il pas une cause? Une raison? L'Église est là. Aujourd'hui, en 1992, avancez-vous, épouse, avec des signes, prodiges et miracles et la puissance du Saint-Esprit, si vous le pouvez. Où ça se trouve en Amérique, au Canada? Nulle part. Correct? Il y a l'évêque Saul et Saül et tous ses ministres. Ils ont toutes les citations et tout. Toute l'armure. Amen. Et voici David qui vient. Praise God. Amen. Now watch. Maintenant, observez, beaucoup ne croient pas dans les expériences, mais David, à cause de ces deux expériences, une avec le lion et l'ours, il avait la foi dans l'onction. Donc, vous vous asseoir, quand il est traversé sa première phase, l'ours et la deuxième phase avec le lion, quand il est arrivé à la troisième phase, il devait faire face à Goliath. Certains hommes se sont faufilés, introduits. Il n'avait pas peur de Goliath. Qui est ce Philistin incirconcis qui a l'audacité de défier le Dieu Tout-Puissant, le Sauveur éternel, le Prince de la paix? Qui est ce Philistin incirconcis? Comment oses-tu défier la foi? Qu'est-ce que c'est, les signes, les prodiges, les miracles, les fusions du Saint-Esprit? Qui es-tu pendant 18 ans, défiant le message? Qui es-tu? Voyez maintenant? L'onction, certains y aient pitié, vous empêche de frapper ces gars, sachant que leur fin viendrait. Et Dieu les amène à une jonction du temps. Ils n'ont pas semé de semences pour leur foi. Ils se sont séparés de la foi, ils l'ont expliqué. Toutes sortes de doctrines impies, des interprétations. Mais je remercie Dieu pour la révélation de la foi, observez, qui est au milieu du chemin. L'évangile saint, pas malsain, marche juste au milieu de la route. C'est là que je suis resté tout le temps. Je ne vais pas vers ceux qui sont froids, secs, empesés. Pas plus que je vais de l'autre côté, du côté pentecôtiste, déchaîné, tout est accepté. Nous restons loin de là aussi. Frère Franck et moi, on est allés là. Mais eux et eux ne savent pas que ce milieu de la route ici, c'est le milieu du chemin. Ils ne savent pas cela. Ils n'ont pas de révélation que ceci est le milieu de la route. Pas ce qu'eux pensent, mais ceci est le milieu de la route. Quand ils sont chauds dans le cœur, ils peuvent louer le Seigneur. Vous ne voyez pas des icebergs partout. Ils ont senti le feu. Frère Branham dit, le prophète l'a dit maintenant, s'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de Dieu. Il l'a prouvé. Il a dit, je vais vous le prouver. Vous pouvez vous asseoir. Il a dit, quand tout Israël
come once a year, Yom Kippur, to find out Yom Kippur their sins pour voir si leurs péchés étaient pardonnés. Ils attendaient tous. C'était la mort d'entrer dans le lieu très saint. Et Aaron s'avançait là. Aaron, le souverain sacrificateur. Mais ils attendaient en silence. Est-ce que Dieu allait le tuer? Est-ce que nos péchés seraient reçus? Est-ce qu'ils ne savaient pas? Ils ne pouvaient pas savoir en silence, mais ils le savaient quand ils entendaient les clochettes. Saint, 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 saint le Seigneur. Vous me parlez de cris? Vous parlez de bruit? Hein? Oh, louange, des cris, remerciant Dieu. Alléluia. Pas de bruit, pas de Dieu. Je ne veux pas dire du fanatisme. Mais quand vous sautez, soyez certain d'avoir une vie. Et je m'assure de ça parce que je enfonce. Gloire à Dieu. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. J'ai entrepris de prêcher cette foi ici et outre-mer depuis 1963. Frère Hunt et moi, nous avons été envoyés. Amen. 11 ans à faire que les vertus naissent. Puis en juin 1974, 18 ans jusqu'à maintenant, à prêcher outre-mer, apportant citation après citation, s'assurant que l'épouse verrait la vie sous le septième sceau. Maudire, rejeter, bien sûr. Mais je veux dire, tous les fils de Dieu le sont, si vous prêchez la foi. Essayant d'amener les gens à reconnaître et à louer Dieu d'avoir envoyé Malachi 4, pas de rester assis mort, louer le Seigneur de l'avoir envoyé. Alléluia. Remerciant Dieu d'avoir envoyé Malachi 4 pour restaurer cette foi originelle apostolique dont Jude 3 appelle la foi. Oui, monsieur. Donc, je dis, gloire à Dieu, combattez ardemment pour la foi restaurée par Malachi 4. Nous avons des preuves positives. Et qu'elle est ici, toutes ces choses qui se produisent, frère Ortiz, et toutes ces choses sont des preuves positives que la foi est ici. Le 10 avril, quand cela a commencé à venir à moi, le 10 avril, le Saint-Esprit m'a libéré du labeur. Je vous ai déjà dit le témoignage. Le 12 avril, qui est ce signe, onction du sept tonnerre? Sœur Peters et son songe. J'essayais de... Je dis, Seigneur, de quoi j'essaie d'être libéré? Il a dit, tu essaies d'amener les croyants à le voir et à remercier et louer Dieu pour cela. Le 10 avril, il a dit, tu es libre de ce que tu recherches toujours, c'est-à-dire une réponse directe à ce de quoi tu parles directement. C'est tout ce que j'essaie d'obtenir parce que je sais qu'il l'a dit. Donc, à partir de ce temps, vous parlez de louange. Frère Hunt, qu'est-ce qui est arrivé au tabernacle? Je restaurerai, dit le Seigneur. Tout cet endroit a explosé. Frère Branham a aimé cela. Qui était dans Frère Branham? Dieu. Vous m'entendez sur les bandes? Amen. Praise God. Amen. J'ai donné à Frère Branham une réponse directe quand il a parlé. Cela l'a nourri. Il s'est retourné. Il a commencé à prêcher, gloire à Dieu. C'est ce que ça fait au Saint-Esprit. Mais vous devez avoir le Saint-Esprit pour comprendre cela. Vous pouvez vous asseoir. Qui est une réponse directe à ce que tu parles directement. Donc, à partir de maintenant, avance et parle et ne t'inquiète pas des gens qui disent Amen, que vous le disiez ou pas, ça ne fait pas de différence pour moi. Espérant qu'ils comprennent, à partir de cette heure, les Caleb vont le saisir. Gloire à Dieu. Louez Dieu pour cela en le reconnaissant et en agissant en conséquence, en demandant à l'ange de leur donner le livre. Apocalypse 18 à 11. Donc il m'a dit, prêchez ma parole et je vais le confirmer à qui je vais le confirmer. Fin de la citation. Eh bien, me voici prêt.
Gloire à Dieu. Donc, que vous receviez ou pas, que vous sautiez ou que vous restiez assis, ça n'a pas d'importance pour moi. Alléluia, je suis libre, frère. Gloire. Si vous ne louez jamais Dieu, ça ne me dérange pas. Parce que tout ce que je sais, vous pouvez vous asseoir. Vous allez avoir un temps dur en arrivant au ciel si jamais vous vous rendez là. Si vous ne voulez pas louer le Seigneur, vous allez pousser des cris quelque part, vous allez pousser des cris, des gémissements, des grincements de dents en enfer, ou vous allez crier « Hallelujah, gloire au ciel ». Non, lequel des deux? Où voulez-vous faire du bruit? Je veux le faire au ciel, et nous sommes dans les yeux célestes. Yasha! Amen. Donc, souvenez-vous, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je ferai mieux de me dépêcher. Les Caleb vont répondre, oui, Seigneur, juste ici dans mon cœur. Frère Branham dit, les Caleb, ils ne s'inquiètent pas les autres. Souvenez-vous, un autre Éphésien, quand le Fils de l'homme vient, comme le Saint-Esprit, la dynamique sur votre mécanique, et la récompense sont avec lui. Vous allez voir celui-ci se lever. Vous allez vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Le Fils de l'homme est revenu, est venu et a récompensé ce qui est en lui. Celui-ci se lève, l'onction scellée. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Fils de l'homme est venu et sa récompense était avec lui. Alléluia. Donc, tenez bon. Faites, débarrassez-vous de la pierre, de la chaume, de la paille, du foin. Des pierres précieuses, des individus. Sa récompense est avec lui pour récompenser, bénir les fidèles qui ont supporté le test du temps, passé le test du temps, déclarant que c'est le tonnerre de la foi. Il m'a dit simplement de le dire. Non, je n'ai pas les tonnerres. Je suis censé seulement de le dire, et vous aussi. J'ai dit au ministre en 1975, à Concordia, Frère Coleman, est-ce que vous avez les tonnerres? Non, vous êtes prophète? Non, je ne suis pas un prophète. Frère Branham dit que les sept tonnerres donnent la foi. Moi, je dis ce qu'il a dit. J'ai été maudit pour avoir dit ce qu'il a dit. Trouva-t-il la foi des sept tonnerres sur la terre? La foi que lui-même, Saint-Luc 17:30, il a révélée par sept sceaux, sept tonnerres, trouvera-t-il des ministres qui prêchent ceci? Comment les gens peuvent-ils l'avoir si les ministres ne le prêchent pas? Vous pouvez vous asseoir. Quand il vient personnellement, descend du ciel avec un cri. Mais ça crie, le Seigneur lui-même descend du ciel avec un cri. Il se voile derrière la peau de Malachi 4, selon Luc 17:30. Libère tous les sept sceaux. Un menu complet à sept couverts. Et la vie est sous la vie du septième sceau. Les tonnerres vous ont gardé vivant pendant 18 ans. L'onction est sur vous. Vous n'êtes pas meilleur que personne d'autre. Nous ne sommes pas mieux que les autres dans le message. Mais nous disons ce que le prophète a dit. Et alors, nous serons bénis. Avec une révélation, je veux dire. Donc, libérer tous les mystères. Pourquoi? Pour restaurer la foi des pères, qui était la foi apostolique, la foi de la résurrection apostolique originelle. Voyez-vous ce que je dis ce matin? La foi apostolique, c'est que vous devez voir Jésus après qu'il était dans le prophète, qu'il doit revenir dans votre église. Vous voyez ce que je dis? Voilà la foi. Amen. Oh, maybe seated. Yes, sir. Okay. Norman's the end time. Page 30. Les moines du temps de la fin, page 30. Amen. Oh, we're doing very good. I don't know. Oh, nous allons bien. Je suis allé à différents endroits. Abraham, je suis allé partout. Amen. You never know what you're going to say. Vous ne savez jamais ce que vous allez dire. Amen. Les loin du temps de la fin. Dieu était bon pour nous parce qu'il n'avait pas prêché ce message, on ne saurait pas ce qui se passe. Il dit à la page 2, après
après avoir prié, demandé ce que je dois faire, sachant que dimanche, je devrais répondre à ce que je vais dire, j'avais décidé ou senti conduit par le Saint-Esprit de prêcher ce matin sur la prophétie pour un peu nous informer. Si nous ne sommes pas informés, et quoi que ce soit arrive au hasard, nous devrions le savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Un ministre qui vient comme ça, en 69, 70, les années 70, 80, et si vous n'avez pas ceci, vous ne saurez pas, même, vous ne saurez même pas ce qui se passe. Vous allez penser qu'ils sont dans la foi. Parce que Paul a dit, ces gars-là se transforment en ancien apôtre. Vous ne connaîtrez pas la parole. Mais Dieu merci pour Malachi 4. Il nous a comme informé. Il nous a même donné trois illustrations dans cette bande. Je ne prêche plus ça. Mais il vous a donné l'église, l'épouse, Josaphat, l'église dans le message, à Cab. Il a donné les évêques, les 400, Césias, Dieu se bénit. Où est sorti l'Esprit de Dieu quand il est sorti de moi? Tu ne l'as jamais eu. Où est-il allé? Tu ne l'as jamais eu. Voici Miché qui est resté avec ce que Malachi 4 a dit. Maintenant, je ne suis pas Miché, mais voici Miché qui vient. C'est lui qui reste, qui demeure avec ce que le prophète a dit. Et voici, toi, dis ce que tous les autres disent dans le groupe. Quel groupe? Je ne vais pas dire ce qu'eux disent. Dieu se met, je vais dire ce que lui me dit de dire. Miché a dit, si je dois me tenir seul, et il l'a fait. Miché s'est-il tenu seul contre les 400? Vous devez vous tenir seul, frère. Oh non, ils vont vous chasser. Et vous allez prêcher la foi. Vous n'aurez plus d'amis. Vous allez être maudit, méprisé. Oh oui. Oh, je vais prendre le chemin. Oui, monsieur. Vous n'allez pas dire ce qu'un tel dit. Voilà l'église et l'épouse. Et le grand Sédécias qui l'a frappé au visage. Tu verras bien quand tu seras dans la prison. Vous savez, les âmes en prison maintenant. Je vais laisser ça de côté. Frère Branham dit, les âmes qui sont en prison maintenant. Il a dit, des millions. Christ a souffert en Noé et les a implorés. Il va pleuvoir. Ils ont refusé Christ dans Noé. Donc, ils sont en prison maintenant. Christ les a pris hors d'Égypte. Ils ne voulaient pas continuer dans le message. Donc, il les a détruits. Ils sont en prison maintenant. Et Christ est allé leur prêcher. Frère Branham devait prêcher, le troisième pull, de prêcher aux âmes en prison, maintenant. Mais vous ne le verrez pas jusqu'à plus tard. Ils sont tous en prison. Liés, ne pouvant pas bouger, ne pouvant rien faire. Mais à ce moment-là, l'épouse s'avance avec la foi. Les signes, les prodiges, des miracles. Gloire à Dieu. Hallelujah. You see that, brother? Tu vois cela, frère? So you don't have to worry about these guys. Tu n'as pas à s'inquiéter au sujet de ces gars-là. Then what's the next one? Donc, qu'est-ce qui est le prochain? Les moins du temps de la fin, vous allez regarder un groupe d'église à Cab, un petit Josaphat. J'ai entendu tous ces gars, les 400 qui prêchent, mais vous voyez, il était un croyant. Et à l'intérieur, ça ne ressemblait pas à ce qu'Élie avait dit. Il dit, n'as-tu pas quelqu'un d'autre? Oui, on a un espèce de fou. On va aller le chercher. Mais tu n'as pas besoin de l'entendre. Voyez, regarde tous ces charmants hommes ici qui sont sortis de l'école des prophètes. Ne les veux-tu pas? Ils parlent comme ci, parlent comme ça. Tu ne veux pas ce que les 400? Non, ça ne ressemble pas à ce que Malachi 4 a dit. Malachi 4, il a restauré la foi. Et ces gars-là, ils n'ont pas la foi. Gloire à Dieu. Ils n'ont rien. Ils essaient de plaire une personne, plaire à un homme. Ils essaient de plaire la chair, la cab. Ils ont peur de venir contre sa chair. Un autre type aussi, Moïse, et je pense,
une Balaam. J'ai un bon frère ici. Merci. Dans la parole, prosterné. Gloire à Dieu. Balaam. Moïse et Balaam. Un autre qui est très difficile. Jérémie, les deux étaient des prophètes hébreux. Comment direz-vous, ferez-vous la différence? Les deux ont dit, c'est le message. Un, c'est dit, Seigneur, vous allez à Babylone, c'est le message. Mais un a dit 70 ans, l'autre a dit 2 ans. Balaam dit, comment allez-vous dire, faire la différence? Dites ce que la parole a dit. Hallelujah. Voyez? Oh, yeah. Oh oui. Remember souvenez-vous, the dice, les dés, you know? Les dés. You know what I mean? Loaded dice. Les dés, truqués. Ils vont toujours à un 7. Take everything from you. Amen. Ils vous enlèvent tout. Well, I think I don't know. Maybe I could close out here. Je pense que je peux terminer. Ils sont partis. Hein? Amen. Some think my certains... crabs look like to me. Amen. But I don't know what's in their mind. Je ne sais pas ce qu'il y a dans leur esprit. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh yeah, here I know where I was at. Ah, je savais plus où j'en étais. Laissez-moi me dépêcher. Now Brother Bram breaks it down. Ici à la page 30. Yes, sir. He's quoting from 2 Timothy 3. Il cite 2 Timothée 3. Never able to come to the knowledge. Ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Voici le prophète. Voici la partie qui choque. Écoutez ceci. Jannès et Jambres ont résisté à Moïse. Et aussi ceux-ci résistent à la vérité. Les hommes à l'esprit corrompu. Réprouvé concernant la foi qui était transmise aux saints, bien sûr. Concernant la foi, il ramènera la foi des enfants au Père. Vous savez ce que signifie réprobé dans la Bible de Scofield? L'apostasie, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi de ne pas passer le test. Vous savez, comme un potier, il met l'argile dans le four et elle craque. Il met de l'eau dessus, mais elle ne passe pas le test, elle craque. Donc le temps vient où ces pierres ne vont pas passer le test de la parole et craquent. Amen. So praise God. Just a minute, I wanted to look up something here. He says here, I wrote it down here. Je l'ai écrit ici. Reprobate concerning the truth, concerning the faith. Concernant la foi, concernant la vérité. He says here, la there's foi. Only one faith. Il y a seulement that's une foi. Right. Concerning réprouvé. The faith, reprobate. Concernant la foi, ils sont réprouvés. 18, et dans Luc 18, que j'ai prêché dans le message là, il est venu vers cette veuve qui était là, qui attendait là pendant 18 ans, ou 20 quelques années. Veuve, peu importe, elle continue à revenir. Je serai scellé, je serai guéri. Parce que le Fils de l'homme a dit que je reviendrai au temps marqué. Pourquoi abandonnez-vous? Pourquoi quittez-vous l'église? Où allez-vous? Amen. Avançons. Page 31. That's the question. I tell you, c'est la question. Il le fera trouver grâce quand le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle foi? La foi? La foi. Alléluia. Restauré par Malachi 4. Un écho du ciel est ici, frère. Amen. Now what he says here. Observez ce qu'il dit ici. C'est la question dans le message aujourd'hui. La dynamique trouvera-t-elle cette foi? Il est prêt à se déverser du ciel, mais où va-t-il trouver la foi aux États-Unis? Où trouvera-t-il la foi au Canada, en Europe? Je veux dire, les ministres qui prêchent le même évangile, des signes, prodiges et miracles, qui enseignent cela, qui mettent cela en ordre dans leur église, où ça se trouve? Où trouverai-je ceci? Où? Ici, Seigneur. Where's the carcass at? Here, Lord. Où est la carcasse, le cadavre ici? Now that's the question. Voilà la question. Voilà où je veux en venir. Apocalypse 10. Nous verrons dans quelques minutes une autre écriture. Au jour du message du septième ange, le mystère de Dieu devrait être terminé. Voici la question. Si vous suivez dans cette ligne, en cette heure, sera-t-il terminé? Trouverai-je la foi?
Mais il ne le dit pas, mais est-ce que ces gars-là vont la détruire? C'est une parabole, vous voyez. Amen. Will I find the faith? Trouverai-je la foi? Will Malachi 4 Malachi 4 accomplira-t-il ce temps? Restaurer la foi des enfants, la foi des pères, la foi, l'original, la foi, la parole. That's all what I've been doing. C'est tout ce que j'ai fait. I don't know what they're fussing at me for. Je ne sais pas pourquoi ils me font des histoires. And they would hear the tape, you know, s'ils écoutaient seulement les bandes, mais ils n'entendent même pas ce que je dis. Le Saint-Esprit dans chacun, Jésus lui-même a dit, venez voir, ne critiquez pas. Même quand Christ est allé au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit à travers les sceaux. Chaque créature a dit, venez et viens. Le lion a dit, viens et vois. Qui était sous le lion? Paul, Irénée et Martin. Don't criticize, come ne critiquez pas, viens voir. Next, amen. Le prochain est venu le bœuf, viens et vois. Colomba, hein? Venu l'homme, viens voir. Hallelujah. Luther Wesley, Luther Wesley. Come a screaming eagle. Un aigle, come and see. Viens Don't et vois, criticize. Ne critique pas, come and see. Viens voir. There's your Holy Spirit. Voilà votre Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Soyez comme les Baréens. Sondez les Écritures pour voir si ces choses sont justes. Prosternez-vous sur votre visage avec les citations pour voir si ces choses sont ainsi. Ne critiquez pas, ne critiquez rien. Parce que ce n'est pas comme l'endroit d'où vous venez. Peut-être que tout le monde est tranquille. Certains aiment faire du bruit, je ne sais pas. Une fois, Sidney Jackson m'a dit, en Afrique du Sud, Frère Branham était en Afrique du Sud, il avait des guides africains, et soudain, l'Africain a sauté, et Frère Branham a sauté. Sidney Jackson ne savait pas ce qu'il faisait, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il dit, l'homme adore son Dieu, alors je lui accorde mon respect. Accordez le respect, alors accordez-moi le respect si j'adore ici, je... Vous donnez le respect, ne condamnez pas. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. You don't know what it just Vous ne savez pas. Brother Bram, he didn't condemn that African. Frère Branham n'a pas condamné cet Africain. Il priait un Dieu inconnu. Frère Branham s'est agenouillé avec lui. Amen. Some have compassion. Certains, maybe might help ayez pitié, peut-être que vous pourrez l'aider. Glory. Oh, I feel on a beam or something. Amen. Well, let me hurry up here. Laissez-moi me dépêcher. Then he goes in the original reprobate, réprouvé, Jeunesse et Jean Brès, ils ont résisté, 2 Timothée 3, Jeunesse a résisté, Moïse dans les derniers jours, les mêmes réprouvés viendraient, mais il y a une forme de pitié, les oins. Les oins. Remercions Dieu, mes amis. Dieu nous a gardés dans notre esprit, un esprit saint. Trouverai-je la foi? Malachi 4 sera-t-il accompli? Voyez ce qu'il dit. Est-ce que Malachi 4 sera accompli? Restaurera-t-il cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes? Le fera-t-il? Messieurs, est-ce l'heure? C'était une question. Ne voyez-vous pas ce qu'il a fait? 1962, messieurs, est-ce l'heure? Il y a 29 ans, nous devons répondre à cette question. Il a apporté les réponses dans le message. Nous devons répondre à la question, nous devons le prêcher, le dire, le croire. Oui, ceci est le temps pour les sept tonnerres. 30 ans, et ce n'est pas encore l'heure. Alors, quand ce sera l'heure? Je veux partir d'ici. Je ne vais pas rester ici et attendre. Personne ne peut rien dire. Vous pouvez vous asseoir. Personne ne peut rien dire. Vous n'avez pas. Frère Branham l'a déjà dit. Dites ce qu'il a dit. Avancia. C'est un mystère, une parabole. Puis il retourne à 2 Timothée 3 pour vous donner la réponse. Ces gars-là, 2 Timothée 3, vous voyez ce qu'il a fait? Tous ces gars qui résistent, ils l'ont fait. Depuis 1966, ils résistent. Il a eu quelques échos qui allaient être un écho de ce qu'il a dit. Et l'écho vient du ciel. Ils sont un écho du message du prophète, seulement un écho. Vous savez ce que c'est? Sept tonnerres, sept tonnerres, sept tonnerres, sept tonnerres, sept tonnerres. Un écho. Ils n'ont rien changé. Cette personne-là, comme telle, n'est rien. Amen. Amen. J'ai pris ce microphone.
Huh? The mic is the mic. Le micro, c'est un micro. You gotta have juice. Il doit avoir, il a besoin de jus. You gotta have power. Il a besoin de puissance. Amen. Amen. But what do you listen to, the voice? Mais qu'est-ce que vous écoutez? La voix qui parle à travers le micro. We're gonna walk out and put this mic down. Nous allons déposer le micro. The mic is sitting there. Le micro est là. What happened to that voice that comes? Qu'est-ce qui est arrivé avec la voix qui est venue à travers ce micro? Did it do something for you? Est-ce qu'elle vous a fait quelque chose? Est-ce qu'elle vous a stimulé? Did it bless you? Est-ce qu'elle vous a béni? Did it speak the word to you? Vous a parlé la parole? Did it encourage your faith? Est-ce qu'elle a encouragé votre foi? Hallelujah. Hallelujah. You may be seated. So don't worry about the trumpet. Ne vous inquiétez pas de la trompette. Don't worry about the man. Ne vous inquiétez pas au sujet de l'homme. What is the man saying? Mais qu'est-ce que l'homme dit? Hallelujah. Oh, oh man. So then, oh yeah, he said there, page 131. Page 131. Yes, sir. Oh, yes, sir. Oh, here it is. Yeah. Now look. And watch, you're not looking for a guy with a Ne recherchez pas un homme avec une grande barbe et la cire sur ses moustaches. C'est pas ça, les faux rois. Avec un grand chapeau qui descend sur le côté. C'est pas ça que vous recherchez. Avec des pantalons, des épaules comme ça. Style italien. C'est pas ça que vous recherchez. Praise God, no! Non! Not no dirty liver. No. C'est pas... He's reading to go home so that I can finish out this morning if I can. Reprobate concerning in living. Pas réprouvés dans leur vie. Ils sont des hommes très bien cultivés. Ils sont merveilleux. They got their families and wives. Ils ont leur famille, leurs femmes. Right. Ils pensent qu'ils sont corrects. You can't stop them. Vous ne pouvez pas les arrêter. Frère Branham a dit allez. How can you stop what Comment pouvez-vous arrêter ce que le prophète a dit? Le prophète les a commissionnés à y aller. But one day, mais un jour. Hallelujah. Hallelujah. You're cursed with a curse. Vous êtes maudit d'une malédiction. Vous allez voir un de ces jours. How could you stop Comment pouvez-vous arrêter Jéhu quand Élie a oint Jéhu? Comment pouvez-vous arrêter Hazael? Même Élisée a pleuré et imploré, mais ce que tu vas faire à Israël, il dit, moi, mais je suis un homme gentil, je ne peux rien faire. Il ne savait pas que l'onction viendrait sur lui pour tuer Israël. You see what I'm saying? Voyez ce que je dis? Then how could you stop Alors, comment pouvez-vous arrêter Élisée? Hallelujah, when he grabbed the mantle, quand il a pris le manteau, three anointings went out. Trois onctions sont sorties. Vous comprenez? Huh? You get it? Vous comprenez? Elijah, maybe see, Élie, let me get it to you. I used to preach like je prêchais il y a des années, je ne fais plus. Elijah, Élie, anointed Elijah. Oint Élisée. Is that correct? N'est-ce pas? Elijah anointed Élie a oint Jéhu. Who did he go for? Jezebel. Où est-il allé? Vers Jézabel. Prêcher six sceaux. Tell you all about Rome and this Parler and that de Rome and so et ceci et cela. Well, he mentioned the seventh seal because Elisha has that. Je n'ai pas mentionné le septième sceau parce que ça, c'est Élisée qui a ça. He ain't preaching that. He's preaching il n'a pas prêché Jezebel. Ça, il a prêché Jézabel. What happened to Trinidad? Qu'est-ce qui s'est passé à Trinidad en 75 quand le frère est allé là? Il dit, frère Coleman vient. Jezebel, out the window. Jezebel est à la fenêtre. Right? You remember N'est-ce that? Pas? Vous souvenez cela? And what happened to brother Qu'est-ce Hunt? Qui est arrivé au frère Hunt? On the field down il est, there, and il est allé au champ un Indien avec... That's right. Praise God for doing that. When I got down to Trinidad, quand je suis arrivé à Trinidad, frère Coleman est un faux prophète. Il est venu ici pour jeter Jézabel par la fenêtre. That. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit, frère, s'il te plaît, ne fais pas cela. Ne va pas dire des choses à Trinidad de ce que je prêche ici. Je prêche. Où se trouve-t-il aujourd'hui? Vous vous souvenez de lui? Il était au balcon avec des ongles longs comme ça. Vous vous souvenez de cela, église? Yes. Frère Brunella, tu te souviens de cela? Amen. Et frère Paul Griffin a dû le saisir, frère Ferrari, comme ceci. Oh mon Dieu, mais où sommes-nous? Vous vous souvenez de cela? Il avait un bâton. Il est venu à la fin là-bas avec un bâton et s'est levé comme Moïse. Oh, vous ne savez pas ce qu'on a traversé ici. C'était en 75. Et ce gars-là, il était à Brooklyn, il vagabonde quelque part, complètement parti. Je l'ai imploré de ne pas faire ça. Frère Sébastien, c'est probablement pas en Inde. C'est à Trinidad, frère, mais je dis. Yes, sir. Amen. Do you see it? Le voyez-vous? Combien voient? Oh, I don't want to keep going on like je ne veux pas continuer comme ceci.
Comment suis-je rendu là? J'ai envoyé la promesse pour ce jour, Malachi 4, Apocalypse 17. Voici que vient William Branham et manifeste cette parole. Dieu révèle cette révélation à ses Caleb et il se lève et il combat pour la foi et répond 7 tonnerres de la foi. Vous voyez, c'est la réponse à sa parole. Ce n'est pas les Caleb avec leur propre révélation, ce qu'ils font, mais ils répondent ce que le prophète a dit. Et Dieu oint cela et il bénit cela. Voilà votre onction. C'est ce que le prophète a dit. Oh, Église, allons, gloire à Dieu. Amen. Hallelujah. What we got here? Qu'avons-nous ici? Yes, sir. Encore quelques citations. Nous allons terminer. Amen. God called man. You believe this? Les hommes appelés de Dieu. Vous croyez que c'est la foi? Laissez-moi l'enfoncer. Des hommes appelés de Dieu. C'était dans le deuxième pull qui a prophétisé. Maintenant, page 21 des hommes appelés de Dieu. Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est là où je me tiens. Comment est-ce que Jésus-Christ, Frère Branham, c'était le message clé, l'écriture clé qui relie la Bible. Il a apporté cela. Il est mort et est parti au ciel. Et nous ne prêchons pas cela. C'est ce qu'il a restauré. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous devons dire cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, s'il est le même, il doit être le même dans chaque principe, dans chaque, dans le même en puissance, le même dans même dans ce qu'il était. Sur la terre, ici, il y avait des Grecs, une fois qu'ils sont venus, ils ont dit, « Messieurs, nous voulons voir Jésus. » Je crois que c'est le désir de chaque homme, chaque femme qui a entendu parler de Jésus. Ils veulent le voir. S'il n'est pas le même, alors nous ne pouvons pas le voir. Comprenez-vous, Église? Le même Jésus est venu dans les apôtres. Malachi 4 a restauré. Même à nouveau, il a promis qu'il reviendrait vers nous. Alors, que recherchons-nous ici? Recherchons-nous Christ ou sommes-nous assis morts? Prions-nous, pleurant, gémissant, Seigneur, envoie ce même Jésus. Hallelujah. Maybe see. Vous pouvez vous asseoir. See what I'm saying? Vous voyez ce que je veux dire? The same one gotta come back. Le même doit revenir. Le même Dieu que vous avez vu en frère Branham doit être dans ces églises, dans le message. C'est la foi. Maintenant, parcourez les rues et trouvez-moi un homme qui prêche là. Saith Isaiah. Dit Ésaïe. Parcourez le message. Vous allez voir, il prêche contre cela. Alléluia. Et s'il n'est pas le même, alors nous ne pouvons pas le voir. Je ne sais pas. Je veux le voir. Oh, je veux le voir. Ne voulez-vous pas le voir? Que faisons-nous? Pourquoi travaillons-nous? Pourquoi venons-nous ici? Pourquoi? Nous voulons le voir. Vous pouvez vous asseoir. Si vous allez voir, comment le verrez-vous? Il est dit juste ici. S'il n'est pas le même, alors nous ne pouvons pas le voir. Nous ne cherchons pas Luther, Wesley ou les Pentecôtistes, c'est une naissance, non. Ce n'est pas ça dont on parle, c'est un bébé. Nous recherchons la personne révélée par le prophète. Amen. Mais s'il est le même, il déclare qu'il l'est. Amen. S'il est le même, nous pouvons le voir ou il nous a dit quelque chose de faux. Encore un peu de temps, le monde ne verra plus. Vous me verrez, car moi, pronom personnel, je serai en vous. Que recherchez-vous? Qui recherchez-vous? Christ. Alléluia. Ou un homme. Vous ne regardez pas Frère Coleman, vous ne pouvez pas. Je cherche le même que vous cherchez. Je suis coordonné à le prêcher, lui. Crucifié. En saison et hors saison. Combattant pour la foi. Amen, Sœur Marie. Qu'il te soit fait selon la parole de Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Oh, hallelujah. Glory to God, praise God.
Oh, j'aimerais pouvoir m'envoler. Laisse-moi me dépêcher. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et je, pronom personnel, je serai avec vous. Pas Joe Coleman. Avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des âges, Jésus a promis d'être dans son Église, faisant les mêmes choses qu'il a fait jusqu'à la fin de l'âge. Amen. Maintenant, comment le verrez-vous? Il dit encore un peu de temps, le monde ne verra plus. Et alors, comment le verrons-nous? Nous devrons voir son esprit. Comme Abraham et Sarah ont senti l'esprit. Ils avaient déjà vu Dieu dans un homme avec une promesse. Et maintenant, l'heure est venue où vous devez voir son esprit. Dans votre église, dans le message, peu importe où vous venez. D'où vous venez. Peu importe où vous venez. Écoutez-le sur la bande. En Nouvelle-Zélande, vous devez le voir, le Saint-Esprit, le retour dans votre église avec les mêmes vies, les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la foi. Comment le verrons-nous? Nous devrons voir son esprit s'il est en nous. Et cet esprit devra faire la même chose qu'il a fait. Ou ce ne sera pas le même esprit. Alors, nous sommes coincés à une jonction du temps. La septième jonction du temps, nous ne pouvons pas aller plus loin. Parce que nous ne pouvons pas demander une bénédiction de 1906. Nous devons demander le même esprit qui était dans le prophète. Seigneur Dieu, déverse cela sur moi. Alléluia. Le même, avec les mêmes signes, le même amour, la même compassion. Pas du légalisme, et ainsi de suite. Pas fais ceci, fais pas cela. C'est pas Dieu. Ça, c'est du légalisme. Alléluia. Le même doux Jésus. Sweet Jesus. Doux Jésus. That loving, kind, tender. Tendre, aimable. Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory. Gloire. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Maybe seated. So you know what you're looking for now today? Non, vous savez ce que vous recherchez maintenant? Not Joe Coleman. Pas Joe Coleman. Not no man. Pas un homme. Vous ne regardez pas, cherchez pas un homme. Là, les hommes vont faillir. La Bible dit, il n'y a pas un seul homme qui soit bon. La Bible dit, seul Christ. Amen. Amen. Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Le serment est dans le cèpe, il produira le même fruit. Quand la première vigne est venue, la première branche qui en est sortie était une branche pentecôtiste, des visions, la puissance, guérison, baptême du Saint-Esprit, des grands signes, des prodiges. La branche suivante devra être le même genre de branche. Voilà le prophète, voilà ce qu'il a dit, juste ici. Qu'allez-vous dire? Rester assis et attendre dans un petit groupe. Voilà ce que le prophète a dit. Alléluia. Ressaisissez-vous. Même si vous arrachez la peau du dos, avouez que vous avez tort. Ça prend les douleurs d'enfantement pour admettre que vous avez tort. Pour dire, j'ai tort. Je suis désolé, Seigneur. Une douleur d'enfantement. Il faut mourir. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Oh, hallelujah. Same kind of branch on down to the end. Même branche jusqu'à la fin, ça devra être la même. C'est ce que Jésus a dit. Oh, hybrid religion. Religion hybride, page 35. Mais si cet arbre produit sa propre branche, ce sera une orange. Ce ne sera pas une tangelo. Doux, fausse loin. Vivant de la vie pendant 25 ans cette année, maintenant ils sont finis. Septième jonction du temps est ici. Gloire à Dieu. Les anges sont prêts à apparaître à l'épouse. Les anges. Bien sûr, même que dans le livre des Actes. Ne savez-vous pas que la foi amène les anges? Vous savez, comme les anges, quand vous êtes en prison, vous vont sortir de prison,
Gloire à Dieu. Des anges qui viennent vous servir. Des anges, bien sûr, des anges. Pas seulement des anges. Une translation. Vous croyez cela? La même foi. La foi de l'épouse apostolique. Gloire à Dieu. C'est pas impossible. Ne limitez pas votre foi à ce que vous sentez, ce que vous pensez, vos idées. Gloire à Dieu. Toutes choses sont possibles à ceux qui croient à Dieu, ceux qui sont appelés selon son but. Hallelujah. Gloire à Dieu. Je déverserai mon esprit dans les derniers jours sur toute chair. Hallelujah. Glory. Des visions, des songes et tout le reste. Voilà où vous tenez. Ne limitez rien. Je mets cette chose en ordre aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis ici. Je mets en ordre les anges. Je mets en ordre la translation du livre des Actes. Une grande puissance, une grande grâce, les signes, les prodiges, les miracles. Mettre en ordre aujourd'hui, 7 juin. Apostolique. Voilà le message. Allez dire à mes disciples, je ne suis pas mort, mais que je suis vivant. Allons. C'est pas les Britanniques qui viennent. Jésus-Christ est ici. Il est ici. Vous pouvez vous asseoir. Laissez-moi me dépêcher. Si cet arbre produit une branche, elle peut être une orange, elle sera comme la première. Vous comprenez? Nous croyons qu'il doit y avoir une église dans ces derniers jours qui va recevoir la première et la dernière pluie. Ils seront dispersés à travers le monde. Dans cet âge de Laodicée, voici, il y aura une église qui est appelée, ramenée à la foi originale. C'est ce que je fais aujourd'hui. Alléluia! Je vous rappelle, ramène de retour à la Bible, de retour à la même foi. Le prophète l'a déjà dit et je dis ce qu'il a dit. Je ne suis qu'un écho. Alléluia. Ramenez la foi originelle. Observez, ce sera une église qui aura Jésus-Christ marchant en elle, se manifestant. Observez, le cri du roi sera en elle. Le cri, le Seigneur lui-même, descendu du ciel avec un cri, et c'est en vous l'Église. Qu'attendez-vous? La voix de l'archange, qu'elle vienne sur le cri qui est déjà en vous. My God. Amen, frère Ralph. Amen, frère. Que pouvons-nous dire? Nous voulons voir Jésus. Encore un peu de temps, le monde ne verra plus. Vous verrez parce que je vis, vous vivrez aussi. Quand, en ce jour, vous saurez que je suis dans mon Père, mon Père est en moi, moi en vous et vous en moi, moi en vous. Quel jour? Ce jour. À la grande jonction du temps, des semences vont sortir du message, commencer à combattre pour la foi. Observez, Dieu est juste. Il les laisse tous vivre ensemble dans leur petit groupe, leur petit fellowship autour du monde. Ils s'aiment les uns les autres. Et soudain, il descend à un endroit. Il révèle peut-être à un diacre là ce que la foi est véritablement. Et oh, s'il va être persécuté par le pasteur et les autres dans ce petit groupe. Hallelujah. Donc, j'ai déjà traversé cela, je suis libre. J'ai une église qui croit la même chose que Dieu. Vous bénissez, les frères, j'espère que vous aurez du bon temps. J'ai déjà tout traversé cela. Amen, frère Hunt. Oh, il va y avoir tout un temps dans ce message. Ne savez-vous pas qu'il pouvait commettre un suicide s'il n'était pas allé comme ça? Si vous n'êtes pas prédestiné, vous ne pouvez pas rester ici plus longtemps. Donc, Dieu ne leur laisse pas savoir parce qu'ils ne sont pas prédestinés jusqu'à la fin. Ensuite, il appelle une épouse qui, elle, est prédestinée à l'adoption. Le reste de la balle sera repoussé de côté. Oh, c'est terrible. Des âmes en prison maintenant. Amen, frère. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ce que je dis, c'est la vérité. Alors, écoutez cela. Hallelujah!
Je sais ce que je fais. Dieu m'a appelé à faire ce que je fais. Amen. Il va me donner ma bénédiction. J'ai été béni. Gloire à Dieu. Je vais être béni. Alléluia. Amen. J'ai été béni déjà. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je dois vous secouer. L'écrit du roi sera en elle. La bande de l'enlèvement. Il dit, page 27, trois choses, le cri, la voix, la trompette. Jésus fait les trois quand il descend. Un cri, où est le cri? C'est le message qui sort, le pain de vie vivant qui met l'épouse. Il a dit que les sept tonnerres rassemblent l'épouse. Donc ça doit être le cri. Ça ne peut pas être différent. Le lever du soleil, qui est le Fils de l'homme? Saint Jean 1:1, Saint Luc 17, 30, Malachi 4. Cette parole à nouveau est agitée sur les gens. Les traditions mortes des hommes sont mortes. Le Fils de Dieu est vivant avec le baptême du Saint-Esprit parmi nous, nous donne la vie. Il est agité sur les gens par les mêmes signes, les mêmes prodiges qu'il a fait dans ce temps-là. Ne voyez-vous pas ce que c'est? Aujourd'hui, en rentrant à la maison cette semaine, commencez à lire les mêmes livres, les mêmes bandes. Observez le Saint-Esprit vous monter, vous faire monter. Ouh. Gloire à Dieu. Vous donnez une foi pour prier. Vous savez, quand il y a une citation là-dessus, quand Dieu vous donne quelque chose, il pense que tout est fini, le diable tout, pense que c'est fini, alors Dieu élève un étendard. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, Dieu élève un étendard, la puissance de Dieu, alléluia, la foi. Oh, Église, allons, combattez ardemment pour la foi, restaurée par Malachi 4, alléluia, c'est moi de dépêcher. Oh, alléluia, amen, frère Garcia, juste là. My God. C'est une citation pour vous. Il parle des sept sceaux, sept anges. Je vais parler seulement d'une certaine partie. Nous comprendrons la semence du serpent dans quelques jours, Dieu voulant. Nous comprendrons la rectitude de mariage et divorce, comment les ministres se remariant à nouveau, ils se remarient. Celui qui était à sa porte, les frères qui étaient à sa porte, avaient une femme vivante. Il y avait deux femmes qui étaient en vie. Ils attendaient la vérité. Mariage vivant, est-ce qu'on va être pardonné? Est-ce qu'on va être pardonné? Ils ont été pardonnés, mais l'autre partie, c'est l'union invisible de l'épouse. Il y a deux parties à cela. Vous ne l'avez pas fait pour commencer. Prédestiné, c'est l'autre partie. Criez, réjouissez-vous. L'épouse, prédestinée, lavée dans le javex du sang. Là. Parce que vous voyez ce qu'il a fait? Vous avez accepté la parole en février, mariage et divorce. Il est allé en novembre, il est venu avec un cadeau d'action de grâce. Amen. Oh, hallelujah. Les mêmes qu'au tabernacle, ils ont commencé, ils se sont remariés et tout le reste, ils sont allés. Des hommes de 40 ans, 50 ans se sont débarrassés de leurs femmes jusqu'à ce que la Bible dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Des impurs qui veulent avoir une vierge. Oh, je sais tout cela, je ne m'en occupe pas. Ils étaient dans ce groupe. 4 juin 19. Alléluia, à toi la gloire. Des puits sans eau, des nuages sans pluie, formant de l'écume qui leur sort de la bouche. Mais laisse-les tranquilles, leur folie sera manifestée. Quand cette belle épouse marchera au pas en route, soldats chrétiens marchant comme à la guerre. Hallelujah. Oh, je me sens bien ce matin. Je sens que vous êtes en train d'être délivré. Le message sort, vous savez ce que c'est, mariage et divorce, c'est toutes ces choses. Observez, Dieu a ouvert chaque sceau. Le mystère depuis la fondation du monde. Et nous savons la présence des bénédictions. C'est vrai. Aujourd'hui, cette écriture.
C'est le nom du livre. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Observez ce prophète qui enfonce cette chose. Combien étaient là en 65 quand Sir Coleman et moi, dans les événements qui sont rendus clairs par la prophétie confirmée? Hein? Pas les événements modernes, mais à Jeffersonville, Frère Branham dit, nous avons vu l'accomplissement de Malachie 4. Amen. Saint-Luc 17:30. C'est ce qu'il a dit. Lisez le message. Puis, il nous a fait nous lever pour prêter serment. Et j'ai dit, j'ai vu l'accomplissement. Sir Coleman et moi, on a prêté serment. Et vous allez me faire aller contre mon serment alors que j'ai juré? J'ai juré au tabernacle. J'ai vu l'accomplissement de Malachie 4. La foi a été restaurée. Maintenant, sortez, témoignez si vous croyez. Et je l'ai fait pendant 18 ans. Maintenant, nous sommes prêts à rentrer à la maison avec des signes, des prodiges et des miracles. Être mis en ordre dans cette église aujourd'hui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le magazine Life, il parle de cela. Les anges, frère Southman, frère Gene Norman, et nous sommes des témoins, trois témoins, comme au sommet de la montagne, Pierre, Jacques et Jean. Ils sont rendus témoignage, ils étaient là, ils ont vu quand c'est arrivé. Ils l'ont vu faire. C'était dans le ciel. Il n'y a pas d'humidité. Il n'y a pas d'humidité ni rien à cette altitude. Comment était-ce possible que cela soit là? C'était les anges de Dieu qui revenaient après leur message. Aujourd'hui, leur prophétie a été accomplie parmi nous. Voici le prophète et ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit au sujet des sept tonnerres. Les sept sceaux, de quoi parle-t-il alors, eux? Amenez cela à ce ministre et mettez ça en pleine face. Est-ce que tu crois cela, frère? Eh bien, d'une façon, que tu veux dire, d'une façon? Est-ce que tu le crois? A-t-il dit? Le prophète a dit, les sept anges, le septième ange avait sept tonnerres. Ça a été accompli. Aujourd'hui, vous pensez que Dieu s'est tenu là pour rien? Dieu s'est tenu là, voilé dans cette chair, aujourd'hui. Qui a parlé cela? L'omnipotence a parlé cela. Quand l'omnipotence parle, le miraculeux se produit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Observez, sept sceaux ont été ouverts, tourbillon sur la côte ouest, maintenant ne manquez pas, comme ils l'ont fait là-bas maintenant. Ne le manquez pas aujourd'hui. Il ramène cela à notre jour. Alors mes amis, combattons pour la foi maintenant. On ne reste pas ici, combattons pour cette foi. Priez pour elle, demandez-la. Croyez pour cela. Entendez-la, reconnaissez-le, agissez en conséquence. Allons. Oh, hallelujah. Qui est le Fils de l'homme de toute façon? Nous allons terminer aujourd'hui pour que vous sachiez qui vous cherchez. Les loin du temps de la fin, page 60. Donc presque terminé. Ne bougez pas. Amen. Praise God, page 60 now. Page 60. Il revient. Matthieu 24, Genèse, Jean-Bresse. Matthieu 24, des faux Christ, des faux moins qui accomplissent des signes, des prodiges, des miracles pour séduire les élus comme Genèse, Jean-Bresse ont résisté à Moïse. Ainsi, ces hommes réprouvés, les esprits réprouvés concernant la foi. Pas une foi, mais la foi. Observez. Vous m'entendez répéter les sept sceaux de rédemption. C'est sept Éphésiens manifestés. Hein? C'est ce que je dis. Parce que les sept sceaux ramènent de rédemption, ramènent à l'Éphésien, aux Éphésiens. Éphésiens, c'est Jésus-Christ. La terre promise, le temps de l'adoption. Revêtez toutes les armes de Dieu. Prédestinés, allons. Hallelujah. What's the Duke? You may be seated. Qu'est-ce qu'il fait? He said, amen. Il dit, amen. La foi. Observez-le dire. Qu'est-ce que c'est? Pas une foi, mais la foi. Observez. Une foi. Un Seigneur. Un baptême. Voilà.
That's why I read that. C'est pour cela que j'ai lu cela. Nous y sommes. Hallelujah. Hallelujah. Can a devil move you? Aucun démon ne peut vous ébranler. Amen, brother Amos. Amen, frère Amos. Hallelujah. Oh, glory. You can't have one faith without believing in one Lord. You can't have two. Faut pas avoir une foi et ne pas croire en un seul Seigneur. Il y a un seul baptême, Jésus-Christ. False baptism. Un faux baptême. Amen. And he goes on to speak about these men. Il parle de ces hommes. Bypass them. Amen. Je vais contourner cela. He said, now Revelation 10, the Son of Man is revealed. Apocalypse 10, le Fils de l'homme est révélé. Le message du septième ange ouvre les seaux. Qu'est-ce que c'est? Je sais vous amener ici. Pas l'ange qui est le Fils de l'homme, mais le messager révèle le Fils de l'homme. Est-ce que six seaux ont été révélés? Il est le septième seau. De quoi vous parlez? Not the angel, the son of man, pas l'ange qui est le Fils de l'homme, mais le messager révèle le Fils de l'homme. Pouvez-vous faire la différence? Ça semble si difficile pour vous, voyez. Pas le Fils de l'homme lui-même, mais le septième ange, le septième messager, révèle au public le Fils de l'homme. Maintenant, en 64, 65, il a gardé. En 63, il a dit que ça ne doit pas être ouvert au public. En 65, il a apporté, ça a été révélé au public. Précepte sur précepte, ici un peu là. Une citation, il dit, c'est pas révélé. Et ici, il dit, mes frères, c'est juste ici. Peu importe, ici, il dit que c'est pas révélé. Citation sur citation, ligne sur ligne. Observez, par le Fils de l'homme. Pas le Fils de l'homme lui-même, mais le septième messager, le septième ange révèle le Fils de l'homme au public parce qu'il a quitté la balle. Vous ne pouvez pas l'organiser, c'est le grain lui-même à nouveau. Vous êtes le grain à nouveau. L'original, la foi, l'apostolique, le livre des actes, à nouveau. Jannès et Jambres résisteront et loin des incrédules et soi-disant croyants. Satan, Dieu permet à ce même démon, ces deux démons qui sont venus contre Moïse avec des signes et des prodiges, les voici à nouveau qui viennent. Le même esprit, je veux dire. Les ouins, les soi-disant croyants, les incrédules, l'église formelle, les pentecôtistes qui se lèvent contre le véritable grain. Ce sont des esprits pentecôtistes dans le message qui viennent contre vous. Voyez? Mais laissez-les tranquilles pendant environ 18 ans. Leur folie sera manifestée comme la leur l'ont été, Jeunesse et Jeunesse. Comprenez? Apocalypse 10, souvenez-vous, il descend dans quelques Martin Luther, une réprimande aux catholiques. Qu'est-ce que Wesley, une réprimande pour les luthériens? Où va la vie maintenant? Loin des organisations. Plus de balles, c'est le grain. Qu'est-ce que c'est? Une réprimande aux pentecôtistes pour accomplir les écritures de cette heure. Une réprimande? Oui. Combattez. Levez-vous pour cela. Combattez pour la foi. Réprimandez cet esprit pentecôtiste qui ne sait même pas de quoi vous parlez. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Quand il commence à déclarer son message, premier pull, la guérison, deuxième pull, prophétiser, troisième pull, observer l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Il n'y a pas d'ordre plus élevé pour révéler la parole que les prophètes. Seul le prophète peut être confirmé par la parole. Souvenez-vous, le troisième pull, c'était l'ouverture de ces sept sceaux pour révéler les vérités cachées, scellées dans la parole. Le voyez-vous? Le voyez-vous? Hein? Well, then it's restored back. Eh bien, to ça vous est restauré si vous le voyez. Oh, hallelujah. Glory. First pull, restored. Premier pull, restaurer la foi. And restored back in 2 Timothy 3. Restaurer 2 Timothée 3 vient contre cela. Qu'est-ce qui va arriver quand plusieurs dans le message finalement saisissent ce que c'est? Il y aura une bataille comme vous n'avez jamais vu. Oh, the first one to fly all the message. Je remercie Dieu. Nous sommes ici. Nous allons simplement continuer à avancer. Que Dieu te bénisse, frère. On va prier pour toi. Souvenez-vous, le troisième pull, c'est l'ouverture de la parole.
le 4 juin, des faux oints, des anges déchus, certains hommes qui s'introduisent après que le prophète est parti, 63-65, avec ces gars viennent dans le message pour le pervertir et résister à la vérité. Maintenant, 18 ans, ils ont les ont dévoilés. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur le 6 mai 92. Je pense que vous êtes tranquille. Vous êtes saturé, votre tête est saturée, n'est-ce pas? Je vais partager ceci avec vous. Le 6 mai, le Seigneur a parlé à mon cœur, il vous parle à vous aussi. Observez ce qu'il a dit, qu'il m'a dit. Le troisième pull était ici, en tant que la foi originelle, la foi. Nous devions combattre ardemment pour la foi transmise et restaurée par Malachi 4. À travers notre première phase, notre deuxième phase, et maintenant, comme nous atteignons notre troisième phase, nous, observez bien ce qui se passe aujourd'hui. Nous connectons au troisième pull de Malachi 4, qui est la foi apostolique originelle, la foi. Donc, quand vous sortez de ce gâchis dans lequel vous avez été pendant toutes ces années, ne comprenant rien, et que vous arrivez sur la troisième phase, vous vous connectez au troisième pull, l'ouverture des sept sceaux. Cela se connecte. Tu vois, Nathanaël? Hallelujah. Le voyez-vous, Église? Ça se connecte. Oh, hallelujah. Nous connectons au troisième pull de Malachi 4 et personne ne sait ce que c'est. Et nous y connectons, nous montons sur la troisième phase et nous connectons à cela. Oh my! Qui est la foi originelle apostolique, la foi. Observez avec des signes, des prodiges, des miracles, l'effusion du Saint-Esprit. Donc, nous n'avons pas à dire quoi que ce soit, c'est la foi qui est révélée. Dans toutes leurs histoires, j'ai terminé avec ça. Je n'ai rien à voir avec ça. J'ai déjà été là. Vous pouvez vous asseoir. C'est ce qu'il m'a dit d'écrire. Ce jour où nous atteignons notre troisième phase, et je dis, eh bien, peut-être aujourd'hui, hein? Immédiatement, ça se connecte directement au troisième pull de Malachi 4, l'ouverture de la parole, et alors, nous sommes de retour, observez, à la parole et l'esprit. Référence, la parole parlée et la semence originelle. Hallelujah. Ceci sera prêché comme la révélation du Fils de l'homme, vous préparant pour l'enlèvement. Dieu merci, il y a des serviteurs de Dieu qui viennent pour être oints et remplis du Saint-Esprit, un quinzième de ministère pour prêcher la révélation du Fils de l'homme. Je remercie Dieu que je me suis tenu jusqu'à maintenant et c'est son but pour moi de continuer. Alors je continuerai, sinon je vais simplement rester ici. Amen. Pour enseigner un petit peu et continuer. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Dorénavant, il y a une couronne qui m'attend. Crois-tu ceci? Très bien, vous l'avez. Nous nous connectons au troisième pull de Malachi 4, l'ouverture de sept sceaux comme la véritable parole de Dieu, la foi. La foi restaurée par Malachi 4 est reprêchée à New York City depuis 1966. Et c'est à ce moment-là que les sept tonnerres de la page 304, à ce moment-là, quand vous vous connectez au troisième pull du prophète, il y a une promesse qui repose sur la page 304, le quatrième sceau. Il faut entendre leur voix, les sept tonnerres, pour révéler la foi. Hallelujah. Vous voyez maintenant, ils vont vous faire entendre leur voix. Il n'y aura plus de questions. En ce jour, vous saurez. Mais attendez. Ne soyez pas tous nerveux. Restez assis, attendez.
Ceci sera prêché comme la révélation du Fils de l'homme, vous préparant pour l'enlèvement. C'est Saint Matthieu 16, les hommes qui disent que je suis moi le Fils de l'homme. Ils ne savent pas qui tu es. Je sais qu'ils ne savent pas dans le message, ils ne savent pas qui je suis. Maintenant, ils pensent que tu es Jérémie ou un des prophètes. Je sais cela. Mais vous, qui dites-vous, les individus, qui dites-vous que je suis? Elohim descend. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mon Père au ciel t'a révélé cela, pas la chair ni le sang. Donc je ne peux rien vous révéler. Je suis libre. Je ne peux rien vous révéler. Peu importe où je suis allé. Je suis allé en Europe, en Afrique du Sud. En Amérique du Sud. Pourquoi je suis allé là? Pour combattre pour la foi. C'est pour cela que je suis allé. Eh bien, gloire à Dieu. Parce que sept tonnerres donnent la foi, la grâce d'enlèvement. Mes amis, je vous appelle mes amis. Parce que vous êtes mes amis. Amen. C'est ce que le président Roosevelt a dit. Amen, frère Hunt. Et vous êtes mes amis. Et en 1938, à la radio, je l'ai entendu. Gloire au Seigneur. Il avait une conversation sur le bord du foyer. Certains des anciens rient. Vous étiez là aussi. Amen. Je ne suis pas le seul qui a 65 ans. Christ révélait sa propre parole. Maintenant, où vous nous amenez, où vous nous amenez, frère Coleman? Encore 15 minutes, je dois vous amener à votre promesse. Laissez-moi me dépêcher. Page 19-20, Christ révèle sa propre parole. Il commence à la fondation, le premier âge de l'Église, quand la semence est allée en terre, la semence complète, puis est sortie Luther, Wesley, puis les pentecôtistes, la langue, les lèvres, puis observez, c'est dans l'œil prophétique de Malachie 4, ainsi de suite. Observez, ne le manquez pas. Maintenant, il n'y a rien d'autre qui reste pour qu'il vienne observer, sinon lui, de qui il parle, lui, la personne, pour entrer dans cela, parce que c'est la dernière chose qui reste. Voici votre promesse. Le prochain, c'est l'intelligence. Et nous n'avons pas l'intelligence de nous-mêmes, c'est la sienne. Nous n'avons pas de vue par nous-mêmes. Comment un homme peut-il prévoir ces choses? Il ne peut pas, c'est Dieu lui-même. Il gouverne tout le corps complet de Christ, révélé sous la forme d'une épouse qui a été prise de son côté comme Adam au commencement, comme Adam l'a été au commencement. L'intelligence? Attendez, frère Coleman, je viens de le lire, c'est une promesse cachée dans la parole. L'intelligence, Christ lui-même dans son épouse, en tant que la foi, le cri du roi en vous. Vous voyez? Oh, hallelujah, not me, right? Pas moi, n'est-ce pas? L'intelligence. Qu'est-ce qu'a dit frère Coleman? Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce que j'ai dit. L'intelligence, l'onction en vous vous enseignera. Je vois une révélation qui entre. Maintenant, il n'y a rien d'autre qui doit venir sinon lui-même ramener cela pour. C'est la dernière chose qui reste. Entrer dans vos 16 éléments. Le prochain, c'est l'intelligence. L'intelligence sera quand même, bien sûr. Que pensez-vous que la parole parlée est semence originale? Voici une prophétie, page 58. Petit groupe de la véritable semence, la parole de Dieu, Dieu va présenter à Christ une épouse bien-aimée, une vierge de sa parole. Comment devenir une vierge de sa parole? En disant ce que le prophète a dit. Et ne reculez pas, dites tout ce qu'il a dit. Tonnerre, tout ce qu'il a dit, dites-le. Septième saut ouvert, dites-le, une vierge. Septonnerre, sous le septième saut, une vierge, dites-le. C'est pour cela que je l'ai dit. Je suis une vierge de la parole de Dieu. Et voici votre récompense. Voici votre récompense, Église. Alléluia. Amen. Un petit groupe de la véritable semence de la parole. Vous voyez, il y a des semences et la véritable semence. Dieu présentera à Christ une épouse, une vierge bien-aimée. Une épouse bien-aimée, une vierge de sa parole.
et à travers eux, je prends l'intelligence. Et par eux, sera accompli tout ce qui a été promis pour sa parole dans la Vierge. Dans la Vierge, les signes, les prodiges, les miracles, gloire à Dieu. Amen. Les translations, quoi que ce soit, les anges en vous. Hallelujah, praise God. Je me souviens, frère Hunt se souvient, un grand frère indien dans l'État de New York, il a dit qu'il voyageait en Jamaïque, il avait beaucoup de femmes. Et frère Hunt et moi, on savait, ce frère était indien, l'a contacté, il s'était rencontré, je veux vous visiter. J'ai dit, ah oui, oui, j'irai vous voir. Mais il ne savait pas comment. Mais ce voyage, il croyait dans le voyage de l'âme. Il était prêt à voyager en Jamaïque et le prendre avec toutes ses femmes. Ce frère-là était dans la panique. Tu te souviens, frère Hunt? C'est la vérité, il va vous le dire. Dans le message? Ah oh, oui, dans le message. C'est un de ces gars-là. Oh, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'extérieur. Je vous ai gardé de ces choses. Je vous ai gardé loin d'ici aussi. Vous avez été gardé de ces choses-là dans le message afin de pouvoir demeurer vierge. Quelque part sur cette terre, il doit y avoir une pure vierge de la parole de Dieu, pas pleine du sperme des interprétations. In their spiritual womb. Dans leur sein spirituel. Alléluia. Une vierge. À travers eux, par eux, sera accompli tout ce qui a été promis par sa parole dans la Vierge, qui ne connaît aucun homme, aucun credo fait par les hommes. La parole promesse, Sarah. Attendez. Sarah, attends. Ne pas pris d'incrédulité et emporté. Attends. Jusqu'au temps marqué. Ça pourrait prendre 28 ans depuis 1964, mais ce sera ici. Le message du coucher de soleil, illuminé par le soleil, 28 ans. Attends. Le prochain message, c'est tout. Dieu lui-même manifesté, il va observer il lui-même, l'intelligence, la pensée de Dieu, il lui-même, par sa propre parole de promesse, ce qu'il a parlé à travers le prophète, il a reçu dans votre sein, il va entrer dans votre sein et va manifester cela. Hallelujah. Alléluia. Par sa propre parole, promesse, il a promis. Quand l'omnipotence le parle, le miraculeux se produit. Alléluia. Sa propre parole de promesse, ce qui était, vous pensez que tout est terminé? Non. Il y aura une épouse qui va reparler, qui va secouer cette terre. L'impact va secouer jusqu'à ce que la Californie va s'enfoncer. Alors, Dieu va laisser partir quand vous serez. Vous laissez partir la Californie. Elle ne va pas descendre jusqu'à ce que vous montiez. Que vous soyez scellés dans la beauté de la sainteté. Gloire à Dieu. Les signes, les prodiges qui vous accompagnent. Alors la Californie va être secouée. Ça ne va pas durer longtemps maintenant, mais ce sera ici. Qu'il me soit fait, comme tu l'as dit. C'est... Ça a été dit par le septième ange. C'était la parole écrite, Ésaïe 9:6. Ils vont l'aimer. Et ils auront son potentiel, car il est leur tête. Et ils sont ses sujets, sujets de sa tête. Christ comme chef. Qu'est-ce que c'est? La prééminence. La deuxième partie du mystère, du triple mystère de Dieu. La prééminence en vous. Qui est les sept tonnerres qui font sortir tout le monde de vous. Alléluia. Tout sortir de vous. Dieu qui a la prééminence en vous. Amen. Observez, il vous réfère à Jean 5,19. Il ne faisait rien à moins que le Père ne lui montre. Maintenant, le Père lui montrait. Il voyait la vision. C'est pour ça que vous devez avoir les visions, les signes, les prodiges quand il revient. Brother Branham avait des visions.
L'Église apostolique avait des visions. Corneille. Amen. Pierre, je veux dire. Pouvez-vous croire votre propre message? Remarquez quelle harmonie. Jésus ne faisait rien à moins de le voir faire par le Père, ou que le Père lui montre premièrement l'harmonie entre Dieu et Christ, Jean 5, 19. Ainsi l'épouse. Il lui montre sa parole de vie. Il lui montre. Attendez pour cela. Et elle le reçoit, elle n'en doute jamais. Pourquoi elle est sur la troisième phase, connectée au troisième pull? Oh, hallelujah! Rien ne peut lui faire mal. Ne t'inquiète pas de ta chair, mon ami. Pas même la mort, parce que si la semence est plantée, l'eau la fera monter. Maintenant, j'ai un grand alléluia. Voici le secret. Voici le secret. C'est pas moi qui l'ai, il est juste ici. La parole est dans l'épouse. Et là, vous voyez le combat pour la parole, qu'elle puisse être dans l'épouse. Résistez à ces gars-là, cette prophétie. Vous voyez maintenant tous ces non-sens qu'il n'y a pas d'enlèvement et toutes ces choses. Frère, merci Jésus. Vous ne pensez pas... Le voyez-vous, Église? Je ne veux pas réprimander rien, mais j'essaie de vous amener à voir. Voici le secret, la parole est dans l'épouse. Observez maintenant. De l'œil, du temps de l'œil et la pensée de Christ, l'intelligence. Nous ne savons pas quoi faire avec. Nous ne savons pas où l'appliquer. Nous avons toutes ces citations où on va l'appliquer. Mais la pensée de Christ, l'intelligence, la chose suivante qui vient, l'esprit. Amen. Amen. Pour savoir ce qu'il désire qu'il soit fait de la parole. Et elle le fait en son nom. Elle a ainsi dit le Seigneur. Alors c'est germé, le Saint-Esprit l'arrose jusqu'à ce qu'elle grandisse et serve son but. Personne ne peut leur dire le contraire. Ils ont ainsi dit le Seigneur, reste tranquille. Alors, ils feront les œuvres de Dieu, parce que c'est lui-même qui est en eux, continuant sa parole pour accomplir comme il l'a pas complété en son temps toute chose. Quand il était ici, il n'a pas tout complété, car ce n'était pas encore le temps. Oh, hallelujah, praise God. I don't know. Je ne sais pas. J'ai presque terminé, les musiciens. Je ne fais que placer votre promesse afin que nous puissions avoir cette église apostolique. C'est tout ce que je fais. Elle sera là, mais je dois placer la promesse premièrement. Vous devez la recevoir. Amen. Et alors, vous verrez, c'est la télévision sortir. Je parle à une des sœurs pour lui donner la foi. Assis là, dans La La Land. Praise God. Well, anyway, praise God. Page 39. Page 39. You can't see with your hands, part of the body. Vous pouvez pas voir par vos mains, les oreilles, les lèvres. Maintenant, le prophète qui dit ceci, maintenant, c'est le temps de l'œil, le temps de la vue. Vous êtes satisfait? Malachi 4, la vue prophétique. Il a parlé de Christ qui est en vous. Qu'est-ce que c'est, l'intelligence? Oh, God. Frère Garcia, je ne sais pas. Juste devant eux aujourd'hui. Maintenant, c'est le temps de l'œil, la vue. Non, il n'y a pas aucune faculté mobile au-delà de l'œil, n'est-ce pas? La prochaine, c'est l'intelligence, qui est Christ, lui-même, qui contrôle tout le corps. Aucun mouvement au-delà de ça. Tout est bougé. Il dit à la page 43, à quoi ça servirait d'avoir des yeux? À quoi ça servirait, je veux dire, d'avoir la lumière s'il n'y a pas d'œil pour le voir, pour la voir? Donc, il a prédestiné vos yeux qu'ils soient ici dans cette heure pour voir et comprendre. Oh, hallelujah, my God.
Christ l'intelligence, libérant la foi en faisant entendre cette tonnerre, la pensée de Dieu à ce groupe, la page 304, le quatrième saut, pour faire quoi? Pour combattre ardemment pour la foi, restaurée par Malachi 4. La dynamique sur la mécanique, c'est le message de Pâques, c'est juste la foi. C'est la foi originelle apostolique avec la même vie, même esprit, même signe, même prodige, miracle que l'épouse primitive avait. Qu'en est-il de notre jour? C'est ce qu'ils avaient, mais qu'en est-il de nous? Moi, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Alléluia. J'ai terminé maintenant, frère. Qu'en est-il de notre jour? Page 16, endroit pourvu d'adoration de Dieu, Californie, Los Angeles. Amen. Martin Luther avait la mécanique et la dynamique dans son temps. John Wesley l'avait pour son temps, les deux. Les pentecôtistes l'avaient dans leur temps, les deux. Qu'avez-vous dans votre jour? L'un, la mécanique. Qu'avez-vous? Quoi d'autre avez-vous? Vous avez une promesse. Et vous êtes prêché également, frère. Maintenant, vous savez pourquoi vous ne pouvez pas l'avoir? Vous étiez pendant le temps. Pourquoi vous... attendez, soyez heureux d'être dedans. Louez Dieu pour cela. Vous serez scellé. Frère Paul, tu le vois, Paul? Je sais que tu le vois, frère. C'est pour ça que tu es ici. Qu'en est-il de notre jour? Ceci est un autre temps. L'Église devrait être pleinement mature, mûre. Nous allons toucher cela la semaine prochaine par les Écritures. Qu'en est-il de notre jour? C'est un autre temps. L'Église devrait être pleinement mature, prête à rencontrer Christ avec une manifestation de chaque bénédiction qu'il a promis dans la Bible. Observez. En agissant dans ce grand corps où il a promis de rencontrer les gens pour être adoré. Et dans cette grande église qui était lui. Page 25. Après sa mort, ensevelissement, résurrection, il est le Fils de Dieu surnaturel. Il a promis avant la fin que le monde serait comme dans au temps de Sodome. Sous forme humaine, il parle de Sarah. Jésus lui-même a dit, en ce jour, quand le Fils de l'homme est révélé, en d'autres mots, le Fils de l'homme, le ministère de Jésus-Christ lui-même, l'épouse aura le ministère de Jésus-Christ. Parce que vous devez identifier dans la venue du Seigneur. Et nous savons que l'épouse endormie va être identifiée dans la trompette des 30-40 jours, mais qu'allez-vous identifier? Frère Branham a identifié le cri. Et nous devons identifier, nous ne pouvons pas aller plus loin. Comprenez-vous, mes amis, vous ne pouvez pas aller dans la résurrection sans être identifié par les signes des prodiges et miracles. La personne, Jésus-Christ, l'intelligence, la pensée de Dieu en vous. Chaque ministre doit faire face à cela. Certains ne comprennent pas, mais c'est une jonction du temps. Il faut y faire face. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Jonction du temps. Nous devons faire ceci. Nous serions d'être agités. Merci pour cette exhortation. Jeudi soir, l'Église viendra à travers la justification, Luther, la sanctification, à travers Wesley, le baptême du Saint-Esprit, 1906, les pentecôtistes. Et observez, nous voici maintenant. J'ai apporté la promesse, j'ai terminé. Dans quoi allons-nous? Je vous l'ai dit, l'intelligence, la foi. Et voici, pour aller dans la perfection du Fils de l'homme. Amen. Quand mari et la femme seront une même personne, Dieu sera tellement manifesté dans son épouse, son église, que les deux seront les mêmes, ils sont un. Maintenant, vous voyez où nous en sommes. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, je le dis à nouveau, voyez-vous où nous en sommes. Vous ai-je prêché la parole de Dieu? Vous ai-je prêché le message? Vous ai-je dit la vérité? Vous ai-je dit la vérité? Pendant toutes ces années? Alléluia! Encore
encore 5 minutes. What is faith? Qu'est-ce que la foi? Page 14, les loin du temps de la fin. La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé. Observez, qui n'est pas encore là, mais vous croyez que ça y sera. Sept tonnerres ne sont pas encore là, mais vous croyez qu'ils le seront. Alors vous le prêchez pendant 18 ans. Est-ce que je suis en faute, pris en faute? Pourquoi? C'est quelque chose qui n'est pas encore là. Mais vous croyez que ce sera là. Donc, parce que je l'ai cru, est-ce que je suis maudit à cause de cela? Noé, a-t-il été maudit pour avoir cru qu'il va pleuvoir? C'était pas encore là, il n'avait pas encore plu. Abraham, maudit, parce qu'il va avoir un bébé, un garçon? Ça devait venir. Tu vois, sœur Sylvia? Dieu ne l'a-t-il pas tenu? Amen. Souviens-toi de ce songe. Tiens bon. Hallelujah. Oh, praise God. Yes, sir. Oh, amen. Amen. Say it again, then you get off my back. Donc, je le dis à nouveau, vous allez se replier sur mon dos. La bande va peut-être sortir, donc libérez les gens là-bas. La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé, qui n'est pas encore là. Ça m'a été révélé. Je ne sais pas pour vous. Je ne suis pas dans une organisation. Je ne suis pas dans un groupe où nous devons tous dire la même chose. Je dis ce que Dieu m'a dit de dire. Je suis le pasteur ici. Hallelujah. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous dire quelque chose, je sais que c'est un auditoire mélange mix, mais je vais vous dire, 1964, toutes les doctrines au sujet des contrôles de naissance, ils s'étaient rencontrés, que ferons-nous, frère Han, connaît toutes ces choses, tous les ministres étaient rassemblés, et le printemps suivant, ils ont tous eu des bébés, une révélation de groupe. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai rien à voir avec ça. John, by the word. Jonathan est venu à moi par la parole, pas selon eux. Oh, praise God. Franino, c'est époustouflant, man. Hallelujah, praise God. But he come by Psalm 128. Il est venu par le psaume 128. Ta femme sera fructueuse. Et les enfants de tes enfants. I got three, amen. Three fine boys. J'ai trois beaux garçons. Trois belles filles, des belles filles. Hallelujah. Je n'ai pas rien dit. Amen. Amen. Je n'ai rien dit. Mais ce serait bien d'avoir un numéro 7 avant de partir d'ici. Gloire à Dieu. Hallelujah. 3 et 3. Amen. Twice time tables. Les tables de 2. L'étape de 3. Il va pleuvoir. Sept tonnerres de la foi. Combattez pour la foi qui fut transmise au sein une fois pour toutes au sein de Dieu. Combattez pour la foi qui a été restaurée à nouveau par Malachi 4. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. La foi est une révélation de la volonté de Dieu. J'ai fait la volonté de Dieu. Donc, par révélation prêchée, Noé a prêché qu'il va pleuvoir. Et par la foi, par révélation, j'ai prêché. Les sept tonnerres vont vous donner dans le futur la grâce d'enlèvement. Ils vont le faire. La foi. Vous pouvez vous asseoir. Sérieusement. Profondément convaincu, détermination. Le dictionnaire de Webster dit combattre, lutter, combattre opposition, lutter comme les troupes de Napoléon ont combattu les armées de l'Europe à Waterloo. Combattre une controverse, des tonnerres, controverse. Amen. Mais Dieu l'a dit. Disputer, différence, ainsi de suite. Vous avez vos Bibles? Mettons cela dans la parole. Gloire à Dieu. Amen. 1 Corinthiens, je mets ça dans la parole maintenant. 1:11. Je vais terminer, mais je
For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them, which are of the house of Chloé, that they are contentions among you. Now you pick up these tapes from Brother Branham. Prenez les bandes de Frère Branham. Il doit être très prudent dans ce qu'il fait. Now, what kind of contentions? Quelle sorte de rivalité y avait-il à Corinthe? They were fighting among themselves. Se chamaillaient les uns avec les autres. Un homme voulait avoir la femme de son père et toutes sortes d'impuretés, des histoires, des disputes avec ses faux joints. C'était ça les rivalités, pas pour la foi. La Bible. Vous voulez un autre endroit? Yes, sir. I could go on there. Je pourrais continuer, ce serait un autre message. Amen. M'éloigne de ça. Titus 3:8, pick up the understanding. This is a faithful saying. C'est une parole certaine, verset 8. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, de pratiquer les bonnes œuvres. C'est de ça qu'il parle, verset 9. Mais évite les discussions folles, les généalogies. Sur la bande, évitez vos généalogies. Hallelujah. What God care about you? Qu'est-ce que Dieu en a à faire, la couleur de la chair? Praise God. Who's going to marry? I got married. Qui va marier la même couleur? Non, sortez de là. Avez-vous une semence dans votre âme? Hallelujah. Hallelujah. Évitez toutes ces folies. And what contentions? Et les querelles. And strivings? Les disputes. About what? About the law? Au sujet de quoi? Relative à la loi. N'ayez pas de querelle parmi vous comme les Corinthiens. N'ayez pas de querelle sur la loi, combattant à ce sujet-là. Oubliez cela. Allons dans le livre des Actes. Je vais être exonéré par la parole. Frère Coleman brise les églises, brise des familles. Ah oui, on va voir. Actes 11:2. Okay. Number one, the apostles and brethren that were in Judea heard that the Gentiles had also received the word of God. Maintenant, voyez l'image. These Juifs believed only they pensaient que seulement eux pouvaient avoir le Saint-Esprit. Cependant, Corneille était là, il priait toujours. Un mémorial était monté au ciel. Pierre ne voulait rien toucher d'impur. Sachant que les Juifs ne pourraient jamais recevoir un païen, Dieu devait traiter avec Pierre. Il avait les clés. Il est allé les Samaritains. Il devait la tourner pour les Samaritains, pour les gens, les païens. La troisième clé. Dieu devait lui donner une vision, la foi. To see all this, arise, Peter, a whole sheep. Lève-toi, Pierre, ungodly beasts and everything on une nappe avec toutes sortes de bêtes impures, d'animaux impurs. So, Lord, nothing unclean come through my mouth. Non, Seigneur, tue et mange. Then come a man. Alors, puis est venu un homme qui, en même temps qu'il avait la vision, est venu un homme frappé à la porte. Corneille était envoyé par Corneille. Et maintenant, la troisième phase, pour se connecter au troisième pull. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? C'est terminé. Le germe a pris sa place. Vous connaissez l'histoire, acte 10, 44. Ils étaient prêts, ils étaient pieux. Pierre, pendant parler la parole de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur les païens. Pauvre Pierre, Dieu lui a donné l'éclair. Il doit revenir vers ses frères. Now who was he? Ses frères, qui est? In second verse, and when Peter was come up to Jerusalem, lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. There you are. Voilà. Now wait a minute, Peter. What are you doing with the filthy Gentiles? Pierre, mais qu'est-ce que tu fais avec des païens impurs? No. Pierre dit, non, vous comprenez pas. Dieu l'a dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Dieu l'a dit. Donc Dieu, Pierre doit aller avec sa vision. Il a l'autorité avec la clé. Et Jacques a dit, mais qui t'a dit cela? Nous avons marché, nous aussi, avec Jésus-Christ. Mais Pierre, il y avait un combat. Qui avait raison? Je ne parle pas des Corinthiens, je ne parle pas de combattre au sujet de la loi. Je parle de combattre pour la foi qui a été restaurée, une fois pour toutes restaurée par Malachie 4. Donc Pierre a combattu. Écoutez ce que l'homme a à dire.
Donc, ils ont écouté Pierre et puis ils ont vu. Jacques a pris la parole de Dieu. Il a dit, oui, Dieu l'a dit par les prophètes qu'il prendrait un nom pour son, un peuple pour son nom dans la parole. Donc, prenez la parole. Tu vois, frère Ralph, si seulement il voulait prendre la parole. Ne vous inquiétez pas pour moi. Acte 15. Nous sommes dans le livre des Actes, n'est-ce pas? 15:39. Vous connaissez Paul. Barnabé était un apôtre et Silas et ainsi de suite. Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. Paul, verse 38, thought not good to take them with them. Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment entre deux apôtres fut assez vif entre eux pour qu'ils se séparent et se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Qu'est-ce que c'est? Deux apôtres, les deux, avec le Saint-Esprit, la personne en eux. Ils avaient une petite dispute pour savoir est-ce qu'on va prendre Marc ou pas le prendre. Paul savait mieux, je pense. Parce que plus tard, Paul a dit, maintenant, Marc est profitable pour le service, amenez-le. Vous pouvez dire amen, vous lisez la Bible? Je pense qu'ils sont engourdis. Simplement, un avant-goût du retour à la parole. C'est pour cela que j'ai fait ça. Oh oui, après cette saison, tout le monde dans le message devrait revenir à ceci. Parce que ceci vous ramène à ceci. Et ceci va mettre l'Église en ordre. Ce ne sera pas moi, ce sera la parole. Avez-vous compris? Vous comprenez, combattre. Pierre a dû combattre pour quelque chose qui était la vérité, qui était la parole, ainsi de suite. Ensuite, ils l'ont vu, après qu'il a dû se lever et débattre. Alors, Paul a dû, de façon tranchante, disons, à peine parler pendant, jusqu'à longtemps après. Paul avait l'Esprit de Christ, il a dit, amenez-le. C'est bon, Paul avait raison. Amen. Je pense que vous êtes fini. Comprenez-vous ce que j'ai fait depuis juin 1974, combattant, débattant, luttant? Que faites-vous, frère Coleman? Combattant ardemment pour la foi restaurée par Malachi 4 maintenant. Comprenez-vous qui est venu contre la révélation des sept tonnerres? Tous ces gars-là, 2 Timothée 3, Jude, 2 Pierre, 2-3 ans plus tard après que Jude ait prophétisé après la mort, 33 ans après la mort de Christ. Jésus a donné la foi à l'Église Saint-Jean 14-12. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Voilà la foi. Jude parlait de la foi que Jésus a transmise aux apôtres. Amen. Les disciples, les premiers, ne pouvaient pas, au début, manifester cette foi jusqu'à ce qu'ils aillent dans la chambre haute pour, premièrement, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dans ce message ira dans la chambre haute pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, ils manifesteront la foi. Ils vont débarquer de ce monde, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit. La foi est née et manifestée dans le livre des Actes. C'était la foi qui fut transmise aux saints une fois pour toutes. Et chaque exemple du livre des Actes, c'est la foi. Les anges, translation, la grande puissance ou quoi que ce soit, c'est la foi. Amen, frère Sébastien. Les visions, les songes, puissance, signe, prodige, miracle, translation de Philippe, le discernement de Pierre, acte 5, grande puissance, grande grâce, amen, remplissage, une grande grâce, étends ta main et secoue le bâtiment. Alléluia. Acte 19. Apollo avait une foi intellectuelle en croyant, mais voici Paul avec la foi. Avez-vous reçu le Saint-Esprit dans le message depuis que vous avez cru? Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui vient dans le message avec la foi, plein du Saint-Esprit, le germe semence dans le corps, comme Philippe, amen, pour donner naissance, pour
faire une naissance pour la parole ointe et des semences dans le message. Ils croient pour, ils pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais Pierre, je veux dire, Paul a regardé, ne voyait rien, tout était raide et tranquille. Et Apollo des grands mots, merveilleux prédicateur, mais on ne peut pas en douter. Mais voici Paul qui arrive avec un petit juif au décroche. Amen, rempli du Saint-Esprit. Paul dit, je ne viens pas à vous avec l'excellence du discours, mais je viens à vous dans la puissance, la démonstration du Saint-Esprit. Alléluia. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Alléluia. Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit dans ce message. Nous pensions qu'en croyant ceci, que nous l'avions, ceci, nous pensions que tous ceux qui aiment Frère Branham seraient là. Non, mon ami, seulement les prédestinés seront là. On va faire sortir cette doctrine-là d'ici. Le baptême du Saint-Esprit. La foi à l'Esprit de Christ. Amen. Paul leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit en parlant en langue, prophétisé. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Gloire à Dieu. Gloire. Oh, stand on your feet. Levez-vous, nous avons terminé. La foi, l'Esprit de Christ était dans les apôtres. Et Jude a dit, combattez pour cela. Tenez-vous, ne prenez rien d'autre. Ne recevez rien d'autre. Jésus l'a amené, les apôtres l'ont transmis. Malachi 4 a combattu pour cela et à travers trois pulls, il a restauré à nouveau par les sept paroles promises et le même cet esprit qui était sur les apôtres pour manifester la foi qui était dans l'ange des septième âges. Malachi 4 pour restaurer la foi, elle est ici aujourd'hui. Juste dans ce bâtiment ce matin, comme promesse de la dynamique sur votre mécanique pour manifester la foi ce matin et ce soir jusqu'à Penharis et jusque le troisième pull, je veux dire troisième fois jusque dans la résurrection, jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Mais, Frère Coleman, donnez-moi une promesse, je vais le faire. J'ai besoin d'une promesse, Frère Coleman, du prophète. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Page 31, 32. Comme Élie est allé sur la montagne, Élisée est allé regardant Élie, il a dit, je veux une double portion, vous voulez cela? Vous allez la recevoir. Surveillant le manteau qui était sur Élie, qui est tombé sur Élisée, il a pris le manteau et frappé le fleuve en disant, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il avait l'autorité. Où est cette foi, la foi? Que la foi vienne. Alléluia. Il a frappé le fleuve, où est l'Éternel, Dieu d'Élie? La même chose qui s'est produite avec Élie s'est produite pour Élisée. Et le même évangile, la même puissance, le même Fils de l'homme qui était hier, est aujourd'hui et sera pour toujours. Hébreux 13, 8. Le croyez-vous? Combien le croient? Levez les mains. Je le crois. Je le crois. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Dieu qui a écrit la parole, que le Dieu qui était dans le prophète, qui a restauré cette foi, que ce Dieu-là s'avance aujourd'hui et commence à faire entrer la foi en vous, restaurée par Malachi 4. Et quand cela arrive, alors cette foi est parmi vous. Amen. Lui, lui-même, Christ, la pensée de Christ, l'intelligence, entrant et sortant, confirmant sa parole. Le croyez-vous? Alors commencez aujourd'hui avec détermination, convaincu profondément, entièrement sérieux. Combattez ardemment pour la foi qui a été restaurée par Malachi 4. Combattez pour cela. Battez-vous pour cela. Luttez, débattez. Réprimandez ces balles qui font des commérages et réprimandez ces balles. Gloire à Dieu. Ne laissez pas cette entrée-là venir, c'est comme une acide sulfurique, dit le prophète, la démonologie. Alléluia. Amen. Ces esprits qui sortent de 2 Timothée 3, qui renie la puissance de Dieu, qui renie la puissance de la révélation, qui renie la puissance de la guérison, qui renie la puissance des cris, qui renie la puissance de la louange, qui renie la puissance du parler en langue, la puissance de l'Église qui avance avec les signes, les prodiges, les miracles, le même Saint-Esprit, la même vie,
le même Dieu. Hallelujah, hallelujah. Comprenez-vous finalement ce qu'est la foi? Combien comprennent ce que c'est? Le même évangile. Ceci est ce que Malachi 4 a restauré. Pas ces folies que vous entendez, mais ceci est le message. Il n'y a pas d'autre message, gloire à Dieu. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais un autre message. Alléluia. Glory. Glory to God. Anybody, every church, every dans n'importe quelle église, n'importe quel message, ministre ce message. Ceci est le message. À moi qu'il prêche ceci. Éloignez-vous de cela. C'est rien. Simplement un airain qui résonne. Toute l'église du message est censée l'avoir. S'ils disent être dans le message, Malachi 4 a restauré la foi. Qu'est-ce que c'est? Un autre Éphésien est ici. Les signes, prodiges, les miracles, l'adoption, la perfection. Combien nous remercions Dieu. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quelle foi? La foi restaurée par Malachi 4. New York, que répondez-vous? Oui, Seigneur. Frère Ortiz, le petit Canada, le garçon Coleman, tous ces signes, qu'est-ce que c'est? Des évidences, des évidences, des signes, des prodiges, que la foi de Dieu est ici. Nous avons l'évidence du bon pays. Gloire à Dieu. Combattez pour cela. Hallelujah. Glory. Amen. Frère Bellomo, c'est toi l'homme pour chanter. Viens ici, mon frère. Dieu vous bénisse. Alléluia. Église, vous êtes libre. Vous êtes à la maison. La foi a été restaurée. Que Dieu déverse le Saint-Esprit sur vous maintenant. Alléluia. Croyez-le. Pas parce que je l'ai dit, parce que Dieu l'a dit dans le prophète. C'est vrai. C'est le message du prophète. Alléluia. Dieu vous bénisse et priez pour moi. Alléluia. Alléluia. I'm so glad that I could say I'm one of them. Well, I'm so glad that I can say one of them. Oh, I'm one of them. Oh, I'm one of them. Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. It is burning now within my heart, glory to his name. And I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. Oh Lord, I'm one of them. Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, I'm one of them. Oh, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Sing it again, I'm one of them. Oh, I'm one of them. Oh, I'm so glad that I can say one of them. Oh, I'm one of them. Lord, I'm one of them. Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them. Keep playing softly. Continuez à jouer doucement. Avez-vous entendu Dieu? Alléluia. Amen. Combattez ardemment pour la foi restaurée par Malachi 4. Dieu a-t-il montré que cette foi a été restaurée par des signes, des prodiges, des miracles? Alléluia. Le Saint-Esprit étant avec nous, parmi nous. Alléluia. Amen. L'a-t-il montré? Êtes-vous des témoins? Béni soit son nom. Êtes-vous un témoin aujourd'hui? Amen. Que cette foi a été parmi nous. Alléluia. Et maintenant, nous savons que nous devons combattre pour cette foi. Alléluia. Mais comment allons-nous combattre? Avec honnêteté, avec affection fraternelle devant nous. Alléluia. Que nous puissions toucher le bord de son vêtement. Alléluia. Amen. Ce vêtement. Viens. Alléluia. Et recherche des cœurs honnêtes. Et recherche ceux qui ont une révélation de l'affection fraternelle et du pardon. Alléluia. Marchant devant l'Éternel, combattant,
combattant, combattant, combattant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Frère Coleman dit qu'il devait se tenir, se lever, il a dû se lever et prêter serment qu'il avait vu l'accomplissement de Malachie 4, de Saint-Luc 17, 30, d'Apocalypse 17. Pouvons-nous nous lever et dire que nous avons vu l'honnêteté pendant 47 ans, que l'honnêteté a prêché cet tonnerre, donne la foi, que l'honnêteté a prêché. Je vais laisser Dieu livrer mon combat. Que l'honnêteté a prêché l'affection fraternelle, le pardon. L'honnêteté a prêché cela. Est-ce que l'honnêteté a prêché cela? Est-ce que l'honnêteté a prêché cela? Amen. Je me lève. Je prête serment. Je l'ai vu. Béni soit son nom. Maintenant, Dieu va s'avancer et l'honnêteté a semé des semences dans votre âme. Maintenant, l'Esprit de Dieu va venir dessus et la manifester, la faire vivre. Alléluia! Que ce monde verra le même Jésus qui a marché avec Malachie 4, le même signe, les mêmes prodiges, le même Jésus-Christ vivant, la même foi, la même vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'affection fraternelle. Mon Dieu, alléluia, gloire à Dieu pour la parole de Dieu qui est sortie en ce jour. Amen. Les commentaires de Frère Coleman et de certains, ayez pitié. Comme nous combattons pour la foi, avec honnêteté, sur la troisième phase. Gloire à Dieu, amen. Amen. Let's just give God a hand of praise. Donnons à Dieu une acclamation. Amen. Blessed be His name. Béni soit son nom. My God. Praise God, amen. Hallelujah. The bride, l'épouse, has got to answer. Doit répondre. That question was posed. Cette question a été posée. Sirs, is this the time? Messieurs, est-ce l'heure? For the seven thunders. Pour les sept tonnerres. Amen. And the bride has et l'épouse doit répondre. Après 47 ans. Après 47 ans. What say you? Que dites-vous? Sirs, is this the time? Messieurs, est-ce l'heure? Est-ce l'heure pour la manifestation, la partie de la manifestation, alléluia, pour les sept tonnerres qui soient manifestés, alléluia, amen, amen. Oh, alléluia, c'est une réponse à sa parole, pas simplement verbalement, mais vous, votre vie qui répond à cette parole, vous combattez, vous vivez, vous marchez dans l'Esprit de Dieu. Amen. Béni soit son nom. Gloire à Dieu. Amen, amen. Combien nous remercions Dieu pour cette parole qui est sortie aujourd'hui. Dieu vous bénisse, frère Coleman. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Praise God. So we have some nous avons des notes de louange, des requêtes de prière.